La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle à discussion nouvelle lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, chère Fadila Khattabi, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure Générale, chère Stéphanie Rist, Mesdames et Messieurs les Rapporteurs, Mesdames et Messieurs les Députés. Je me présente donc devant vous aujourd'hui pour cette nouvelle lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. En sortie de crise sanitaire et en début de ce quinquennat, ce PLFSS est un texte d'ambition pour répondre aux enjeux du quotidien des Français. Trouver plus facilement un médecin traitant, trouver la bonne solution en cas d'urgence, prendre soin de soi grâce à une action résolue en faveur de la prévention. Si l'heure est encore à panser les plaies de la crise, il nous faut refonder notre système de santé et préparer l'avenir. Ce PLFSS pose donc les premières pierres pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Il est d'ores et déjà nourri de nombreux apports parlementaires qui ont fortement enrichi le texte lors des deux premières lectures à l'Assemblée et au Sénat. Outre l'ambition du gouvernement, ce budget de la Sécurité sociale comporte la marque des parlementaires, que l'on pense aux dispositions sur le cumul emploi-retraite des médecins, à l'encadrement de la quatrième année d'internat de médecine générale, aux expérimentations liées aux consultations en zone sous-dense ou au cannabis thérapeutique, à la responsabilité collective en matière de permanence des soins, à une meilleure information des patientes lorsqu'elles accéderont à la contraception d'urgence, ou encore à la meilleure prise en compte de certains enjeux comme la santé des femmes, la prévention de l'infertilité ou une attention renforcée pour les proches aidants lors des rendez-vous de prévention. Je le dis avec force et conviction, ce budget de la Sécurité sociale, c'est celui du gouvernement, mais c'est aussi celui de la représentation nationale et à travers eux, de tous les Français. Je veux ainsi saluer le travail, souvent transpartisan, effectué sous l'égide de la rapporteure générale Stéphanie Rist, notamment en commission des affaires sociales. Le débat parlementaire nous a également permis de mieux adapter nos moyens pour mieux soigner les Français. Outre l'effort de 570 millions d'euros pour l'année 2022, présenté au Sénat pour permettre à notre hôpital, entre autres, de faire face à la pandémie précoce de bronchiolite, je vous annonce que le gouvernement a déposé un amendement visant à mieux tenir compte en 2022 des surcoûts liés au Covid à l'hôpital pour un montant de 543 millions d'euros. Cela s'inscrit dans notre effort sans précédent pour soutenir l'hôpital et tous les personnels qui le font fonctionner. Pour 2023, ce sont aussi des financements nouveaux qui seront consacrés à l'hôpital, hors provisions liées à la crise sanitaire. 400 millions d'euros pour la fin de la montée en charge des mesures du Ségur et des assises de la santé mentale, notamment s'agissant de l'intéressement collectif, dont l'enveloppe totale en 2023 atteindra la cible de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour financer en année pleine la hausse du point d'indice dans la fonction publique et des revalorisations dans les établissements privés non lucratifs notamment. 500 millions d'euros pour le soutien vis-à-vis de l'inflation sur leurs charges non salariales. Cette augmentation permet à nouveau de construire un ONDAM hospitalier n'intégrant aucun impératif d'économie. Alors que ce PLFSS comprend pour sa deuxième partie la marque d'un effort important que vous appeliez notamment de vos voeux lors de l'examen en première lecture, je vous appelle à ne pas rejeter ce milliard d'euros de crédits supplémentaires pour nos hôpitaux. Par ailleurs, à la fin juin 2022, les établissements de santé tentent à retrouver globalement leur niveau d'activité d'avant-crise, mais avec des disparités entre départements, entre établissements, entre régions. Si la sortie de la garantie de financement est acquise, nos hôpitaux ont besoin pour l'année 2023 d'un dispositif transitoire d'accompagnement de cette sortie, de nature à favoriser la reprise d'activité. Nos concitoyens en ont besoin. C'est l'objet d'un amendement que le gouvernement vous propose. Par ailleurs, notre système de santé marche sur deux jambes. L'hôpital, on vient d'en parler,
mais aussi la ville, dont je tiens à souligner le rôle absolument essentiel pour la prise en charge au quotidien de nos concitoyens. Ce PLFSS permettra aussi d'accompagner les discussions en cours entre les médecins et l'assurance maladie, en particulier pour reconnaître leur investissement dans cette refondation du système de santé que je conduis. En outre, ce PLFSS aborde tous les aspects de notre politique de santé. Il met en œuvre une ambition nouvelle pour la prévention. J'en ai en effet la conviction, c'est un enjeu majeur et un puissant moteur d'amélioration de la santé de tous les Français. Notre effort en matière de prévention est aujourd'hui insuffisant. Il ne représente que 2% de nos dépenses de santé, contre 3% en moyenne chez nos voisins européens. Nous devons faire mieux, nous le devons aux Français. Ce PLFSS propose donc plusieurs mesures fortes en matière de prévention. Vous l'avez compris, c'est l'une de ses grandes priorités, par le déploiement des rendez-vous de prévention aux trois âges clés de la vie, comme s'y est engagé le président de la République. En deuxième lieu, nous proposons d'élargir la réalisation et la prescription de vaccinations, pilier majeur de toute politique de prévention. Permettez-moi de profiter de ce moment pour rappeler l'importance de la vaccination contre la grippe et contre le Covid pour tous nos concitoyens. Je vous encourage tous à porter ce message dans vos territoires. En troisième lieu, ce PLFSS met l'accent sur la santé sexuelle et la santé des femmes. Ce gouvernement en a fait un de ses engagements forts. Ce PLFSS prévoit notamment que les dépistages d'infections sexuellement transmissibles, autres que le VIH, seront possibles sans ordonnance et par ailleurs pris en charge à 100% pour les moins de 26 ans. Ce PLFSS comporte aussi un progrès majeur. Alors que seulement 10% des contraceptions d'urgence sont remboursées actuellement, nous élargissons la prise en charge à 100% de la contraception d'urgence pour toutes les femmes, peu importe leur âge. La majorité a souhaité que cela s'accompagne d'une information renforcée en matière de contraception, et j'y souscris. Avec ce PLFSS, portons ensemble une grande ambition pour la prévention et ces mesures que nous aurons sans doute besoin de compléter au fil du temps. Je pense notamment à la vaccination contre le papillomavirus que nous devons fortement développer. Ensuite, ce PLFSS vise à améliorer l'accès à la santé pour tous et à soutenir les soignants. Il ne comprend pas de solution magique, je l'ai déjà dit, pour répondre au manque de médecins que connaissent de nombreux territoires pour la simple raison qu'elle n'existe pas. En revanche, il propose des premières solutions concrètes, efficaces et qui seront complétées dans les prochaines semaines et prochains mois. La lutte contre toutes les inégalités d'accès à la santé est ma préoccupation principale, vous le savez. D'abord, nous proposons d'adapter le cadre des négociations conventionnelles afin d'élargir le champ potentiel des engagements réciproques à l'exercice médical dans les zones sous-denses, dans une logique de droit et de devoir. Cela nous permettra par exemple de déployer des consultations avancées dans ces territoires, comme le souhaite d'ailleurs le groupe de travail transpartisan de la Commission. Ensuite, nous voulons tirer mieux parti des aides à l'installation et au maintien en zone sous-dense pour nos professionnels de santé. Nous améliorons donc leur impact en favorisant leur lisibilité par la mise en place d'un guichet unique dans chaque département. Enfin, pour améliorer la formation et faciliter l'installation des médecins généralistes, nous prévoyons la création d'une quatrième année d'internat de médecine générale. Bien sûr, j'entends les inquiétudes, notamment des étudiants en médecine. Je tiens à leur rappeler que je serai à leur côté et que je serai particulièrement vigilant à la qualité de cette formation qui sera assurée par des maîtres de stage universitaires. C'était un engagement du président de la République. Nous le concrétisons. Alors oui, je l'assume. Pour aider nos territoires, nous incitons à réaliser leur année de stage en priorité dans les zones sous-denses. Le dialogue est constant avec les étudiants pour définir au mieux les conditions d'application de cette réforme. Je vous propose ainsi un sous-amendement à l'amendement adopté par la Commission afin d'introduire un principe d'exception à l'exercice ambulatoire. Cela permettra de soutenir les quelques étudiants ayant des projets professionnels particuliers. Par exemple, en centre médico-psychologique, dans le cadre de la médecine scolaire, de la protection maternelle et infantile, ou encore de l'hospitalisation à domicile. Ce PLFSS porte aussi un engagement fort en direction des personnels de santé étrangers, ces femmes et ces hommes que l'on appelle PADU, et dont il est urgent de sécuriser des situations individuelles. Ces femmes et ces hommes sont des acteurs essentiels pour la continuité des soins.
Par ailleurs, ce PLFSS renforce également la lutte contre toutes les formes d'abus et de fraude sociale. C'est un enjeu majeur d'éthique, bien entendu, mais aussi d'équité sociale. Si l'intérim est nécessaire pour nos hôpitaux, je m'élève contre ces dérives. C'est en ce sens que ce PLFSS propose l'interdiction de l'intérim dès la sortie des études. C'est aussi en ce sens que je me suis engagé à mettre en œuvre la loi que vous avez votée l'année dernière à l'initiative de la rapporteure générale Stéphanie Rist. Je me félicite par ailleurs des apports parlementaires à l'Assemblée comme au Sénat qui sont venus renforcer la robustesse de ces mesures. Enfin, ce PLFSS vise, après la crise, à garantir la soutenabilité de la sécurité sociale. Alors que la crise sanitaire a fortement affecté la sécurité sociale depuis 2020, nous devons reprendre le cap de l'investissement et dans le même temps de l'équilibre de nos comptes sociaux. Ce budget de la sécurité sociale propose donc des mesures que nous pensons justes et proportionnées pour y parvenir. Cet effort de long terme doit être avant tout partagé de manière équitable entre les acteurs. À ce titre, je tiens à le dire solennellement aux acteurs de la biologie. Dans le contexte général de difficultés économiques et sociales pour beaucoup de Français et d'entreprises, le mouvement de grève visant notamment à empêcher les remontées d'informations liées au Covid est inacceptable et entame la confiance pourtant nécessaire aux discussions. Mesdames et messieurs les députés, ce budget de la sécurité sociale est un texte d'engagement et de responsabilité que vous avez contribué à renforcer. Il soutient pleinement une ambition collective de donner à notre système de santé les moyens de ses ambitions face aux défis que nous connaissons tous. Il prépare le chemin, il prépare les premiers changements structurels vers la santé de demain. C'est un texte qui concerne chaque Français dans sa vie quotidienne et qui s'inscrit dans l'intérêt général au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale de la Commission des Affaires Sociales, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, le retour du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 en nouvelle lecture devant votre Assemblée me donne l'occasion, avec mes collègues du gouvernement et au nom du ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, d'en saluer l'importance et l'ambition. L'importance pour nos concitoyens de tous âges et dans toutes les situations de vie. L'importance pour les professionnels qui accompagnent les personnes depuis leur naissance jusqu'à leur grand âge. Et l'importance d'autant plus visible en cette période d'incertitude et de tension que nous connaissons. L'inflation, les pénuries de professionnels, les doutes quant aux grandes transformations en cours, tout cela se ressent dans les nombreux secteurs. Et le texte dont vous reprenez l'examen constitue une part de la réponse du gouvernement en la matière. Réponse ambitieuse donc, avec des moyens financiers conséquents, des moyens inédits pour les politiques du grand âge, du handicap et de la famille. En 2023, l'objectif global de dépenses pour le secteur médico-social au sein de l'ONDAM augmentera de 5,1% contre 4,3% en 2022 pour atteindre 30 milliards d'euros. Ce sont près de 1,5 milliard de financements supplémentaires qui seront consacrés au secteur médico-social, avec notamment 600 millions d'euros dédiés aux revalorisations salariales, c'est-à-dire aux suites du Ségur et de la conférence des métiers, ainsi qu'à l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique et son extension au secteur privé. 500 millions d'euros pour le soutien de l'accueil à domicile, avec la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile et la création de places pour réduire les refus de prise en charge auxquels certaines personnes sont confrontées. 200 millions d'euros pour recruter des soignants en EHPAD, ce qui nous inscrit dans la trajectoire annoncée de recrutement de 50 000 professionnels sur les prochaines années.
et enfin plus de 200 millions d'euros de compensation de l'inflation. Des moyens donc à la hauteur des enjeux qui se présentent. Je pense en premier lieu à l'enjeu de la transition démographique dans laquelle la France est engagée. En 2030, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Or, le virage domiciliaire que la majorité des Français appellent de leurs vœux est bien en cours. Il est le fil conducteur de l'action du gouvernement. C'est pour cela que nous faisons le choix de renforcer d'abord les SIAD avec le financement de 4000 nouvelles places en cohérence avec notre trajectoire d'augmentation de 20% d'ici à 2030. C'est pour cela également que nous faisons en sorte que les professionnels aient plus de temps afin que leurs interventions à domicile se passent dans une grande sérénité et qu'ils retrouvent le sens de leur mission première. Nous ajoutons ainsi 2 heures de présence supplémentaire chaque semaine pour les 780 000 personnes qui bénéficient de l'APA à domicile. C'est pour cela encore que nous renforçons la lisibilité de l'offre, car cette visibilité est cruciale pour que s'exerce un choix libre et éclairé par les bénéficiaires. Le texte comporte en la matière plusieurs mesures fortes. D'abord, avec la poursuite de la logique de guichet unique, elle a été engagée en 2022 et elle est consolidée cette année avec une incitation financière des services à dispenser à la fois des activités d'aide et de soins avec le forfait coordination. Ensuite, avec l'introduction de davantage de souplesse pour les bénéficiaires dans la mobilisation de leur plan d'aide APA. Ils sont aujourd'hui fixés sur une base mensuelle. Ils seront demain assouplis. Car on sait que des événements ponctuels, une hospitalisation ou une absence de solution alternative conduisent souvent à ce que les heures ne soient pas utilisées et par conséquent perdues. En même temps, les situations comme le retour d'hospitalisation peuvent au contraire créer un besoin plus important. Je salue donc les députés qui avaient été, lors de l'examen du texte en première lecture, à l'initiative d'un amendement allant dans le sens d'un assouplissement. Adopté ici en première lecture, cet amendement a fait l'objet ensuite d'un travail approfondi avec les départements et avec les sénateurs auxquels le gouvernement a proposé une évolution du dispositif. Demain donc sera ouverte la possibilité de reporter les heures non consommées sur 6 mois, comme c'est déjà le cas pour la prestation de compensation du handicap. Et je sais à quel point cette souplesse est appréciée par les personnes. Si j'insiste sur cette mesure, c'est aussi parce qu'elle illustre la qualité du dialogue entre le gouvernement et les parlementaires sur ce texte. La première version ne comportait pas cette transformation que les députés ont souhaité ajouter. Le gouvernement a tenu ensuite à l'enrichir. Les sénateurs l'ont à leur tour affiné et voté. Nous ne pouvons que saluer ce processus de co-construction pragmatique où chacun a joué sa part utile au service des Françaises et des Français. Nous avions déjà vu l'intérêt de ce dialogue ici en première lecture. Je pense notamment à l'aboutissement du travail concernant l'indexation sur l'inflation du tarif plancher national par heure d'intervention par les services prestataires d'aide à domicile, dans le but tout simplement de soutenir les structures. C'est aussi un dialogue que le gouvernement tient avec les collectivités et les structures elles-mêmes, comme l'illustrent 2 mesures récentes. D'abord, une première qui se retrouve dans ce texte, adoptée au Sénat. Elle prévoit le rehaussement du plafond du concours de la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie pour compenser une partie des coûts des revalorisations salariales des aides à domicile assumées par les départements. La seconde, qui s'est traduite par un décret relatif au bouclier tarifaire, auquel sont bien intégrés les établissements des champs du grand âge et du handicap. Et vous comprendrez bien, mesdames, messieurs les députés, que j'ai justement à cœur de vous parler en détail des financements dédiés en matière de handicap dans ce PLFSS. Et je commencerai par un chiffre, 5,2%. C'est le montant de l'augmentation, une augmentation sans précédent
de l'objectif national de dépenses pour le volet personnes en situation de handicap. Cette augmentation nous permet de tenir les engagements pris lors de la dernière conférence nationale du handicap de février 2020, alors même que nous préparons activement la prochaine, qui se tiendra au printemps 2023. Elle nous permet surtout d'accélérer la mise en œuvre des grands objectifs et de politiques prioritaires. Il s'agit entre autres de structurer et de développer davantage les relations entre l'école et les établissements, par exemple en renforçant la création de services d'accompagnement à la scolarisation en milieu ordinaire ou en poursuivant le déploiement des unités de scolarisation dédiées aux élèves polyhandicapés. Il s'agit aussi de diversifier les modalités d'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes pour prioriser l'accompagnement des personnes dans leur lieu de vie habituel et déployer des dispositifs innovants comme des équipes mobiles de médicalisation. Je pense aussi tout particulièrement à la poursuite des mesures concernant l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, avec 65 millions d'euros prévus. Ces financements permettront d'étendre aux 7-12 ans la politique de détection précoce, qui est l'une des réussites majeures de la stratégie nationale. Grâce à elle, ce sont près de 30 000 enfants qui ont pu être détectés à temps et donc correctement accompagnés depuis 3 ans. C'est aussi la possibilité de développer les unités résidentielles pour les adultes autistes, l'objectif étant le déploiement de 40 unités résidentielles pour la période 21-23. Là encore, le texte portait une ambition forte dès l'origine, amplifiée au cours de la navette parlementaire, avec ici, en première lecture à l'Assemblée, la création d'un parcours financé par l'assurance maladie pour permettre la rééducation et la réadaptation coordonnée pour les enfants polyhandicapés ou paralysés cérébraux. Ceci a été voté conforme par le Sénat, et c'est une grande avancée. Avec également, cette fois, suite à des travaux complémentaires au Sénat, la création de briques informatiques nationales afin d'harmoniser les systèmes d'information des maisons départementales des personnes handicapées et de faciliter leur interopérabilité, avec un objectif, garantir une meilleure équité de traitement de l'universalité des droits sur le territoire. Je souhaite et je sais que nous pourrons conserver un tel esprit de co-construction dans la perspective de la prochaine conférence nationale du handicap. Un dernier mot enfin sur les mesures de ce texte relatives aux familles et en particulier sur la réforme centrale du complément de mode de garde qui poursuit deux objectifs majeurs. D'une part, contribuer à la société du plein emploi et favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes en développant l'accès à un mode d'accueil pour les jeunes enfants. D'autre part, continuer à lutter contre les inégalités à la racine en intervenant dès la petite enfance et en soutenant les familles les plus fragiles. Ces objectifs, nous les atteindrons en modifiant le barème du complément de libre choix du mode de garde, le CMG, pour permettre aux familles qui ne recourent pas à la crèche de pouvoir faire garder leur enfant au même coût par une assistante maternelle. En rallongeant le bénéfice du CMG au-delà de 6 ans et jusqu'à l'entrée en collège pour les familles monoparentales. Ou encore, en supprimant la condition d'un recours minimal de 16 heures de mode d'accueil par mois pour bénéficier du fameux CMG. C'est une mesure, je le rappelle, qui a été ajoutée en première lecture par votre Assemblée et qui ouvre le dispositif à de nouveaux besoins d'accueil et de répit. Toutes et tous, nous partageons ces objectifs cardinaux, soutenir la natalité et les familles et accompagner les familles monoparentales dont 30% vivent dans la pauvreté et 90% sont des femmes. L'engagement du gouvernement envers ces dernières passe aussi depuis le 1er novembre par l'augmentation de 50% de la pension alimentaire minimale, c'est-à-dire de 123 à 185 euros par mois et par enfant.
Cette mesure doit faire baisser le taux de pauvreté des familles monoparentales de 2,2 points. La réforme du CMG s'ajoute au lancement de la trajectoire qui nous permettra de créer les 200 000 places d'accueil manquantes d'ici à 2030. 160 000 parents ne reprennent pas leur travail faute de solutions de garde d'enfants. C'est un enjeu d'égalité des chances, de développement pour les enfants, d'accès à l'emploi et de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les parents. Ces mesures forment la première pierre du service public de la petite enfance, engagement de campagne du président de la République, qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qui a été fait avec les 1000 premiers jours. Nous y travaillerons avec responsabilité et ambition tout au long de ce quinquennat avec les collectivités locales. Le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées entame cette semaine une grande concertation sur le service public de la petite enfance, sujet qui sera abordé avec les élus municipaux à l'occasion du 104e Congrès des maires. Mesdames, Messieurs les députés, vous pouvez donc le constater, avec 1,5 milliard d'euros en plus pour la branche autonomie et 1,6 milliard d'euros en plus pour la branche famille, ce PLFSS pour 2023 était dès l'origine ambitieux. Il comportait dans sa version initiale des réponses à l'urgence dans le secteur de l'autonomie, des mesures structurelles pour préparer la transition démographique et soutenir la natalité, des financements conséquents pour le secteur du handicap. Mais je veux souligner aussi combien ce texte a par ailleurs été enrichi et renforcé par le Parlement, et en responsabilité, et en concertation, dans un dialogue nourri avec le gouvernement, avec les professionnels, avec les collectivités, avec les personnes concernées. Nous aurons ensemble avancé avec détermination dans la voie d'une plus grande protection de nos concitoyens les plus vulnérables et pour mettre en œuvre les réformes indispensables à la consolidation de notre modèle de protection sociale. Et il nous faudra bien sûr continuer inlassablement à le faire. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Stéphanie Rist, rapporteure générale de la Commission des affaires sociales. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je pourrais énoncer ici les statistiques qui reflètent les nombreux ajouts d'amendements et d'articles que les lectures dans chacune des deux assemblées ont permis d'apporter, mais je souhaiterais attarder mon propos sur la construction inédite d'un texte budgétaire dans une assemblée profondément renouvelée. Depuis la première lecture, les débats ont été fournis et nous avons parfois échoué à trouver un compromis. Mais nous pouvons nous féliciter aussi du fait que nos deux assemblées se sont rejointes sur de nombreux sujets. Les divergences entre les deux textes adoptés sont cette année encore assez nombreuses et parfois profondes, mais elles augurent de notre engagement commun pour un renforcement de notre système de santé et un meilleur accès aux soins qui se poursuivra dans les prochains mois. Je souhaite saluer l'esprit de responsabilité qui a animé le Sénat dans son rétablissement des deux premières parties de la loi de financement, bien que nous conservions une analyse différente de l'article 1er. Chers collègues, je ne pense pas avoir besoin de souligner que sans ce rétablissement, la constitutionnalité de ce texte aurait pu être lourdement menacée. Je forme le vœu que les considérations de politique, parfois politiciennes, ne prendront pas le pas sur les apports tant de la majorité que des oppositions qui furent nombreux. Certes, nous avons des divergences de fond, mais ne faisons pas perdre un temps précieux à nos concitoyens avec des postures dogmatiques bien au-deçà des enjeux de ce texte. Il en va naturellement de même pour la deuxième partie. Comment expliquer à nos concitoyens que certains de nos collègues supprimeraient en toute conscience la seconde partie du texte qui porte une augmentation de l'ONDAM de 9 milliards d'euros auxquels, comme l'a précisé M. le ministre, s'ajoute 1 milliard suite à nos débats parlementaires ? Sans être exhaustive, je citerai tout de même les points qui se sont traduits par des votes conformes ou par des améliorations.
S'agissant des recettes et de l'équilibre général, nous avons convergé sur la poursuite de la modernisation des offres de services à la personne, l'affiliation des psychomotriciens à la CIPAV ou encore la bonne affiliation des juniors entreprises au régime général tout en préservant leur modèle. S'agissant des sujets de santé, je pense au prolongement des mesures pour faire face à la crise sanitaire, à l'élargissement du dépistage sans ordonnance des infections sexuellement transmissibles et à l'élargissement du 100% santé aux prothèses capillaires. S'agissant de l'autonomie, nous avons constaté un accord sur le renforcement des astreintes et sanctions pouvant être prononcées contre les établissements lorsqu'ils ne respectent pas les règles du Code de l'action sociale et des familles. Nous avons poursuivi l'augmentation du financement des services infirmiers à domicile et donné une plus grande flexibilité aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans la gestion de leur plan d'aide ou encore procédé à l'indexation du tarif plancher des heures d'aide et d'accompagnement à domicile. S'agissant de la branche vieillesse, je me réjouis que le Sénat partage avec nous une ambition commune pour favoriser l'exercice des professionnels de santé retraités dans les zones sous-denses, ce qui constitue un outil efficace, immédiat, pour lutter contre la désertification sanitaire avec les professionnels de santé qui le souhaitent. S'agissant de la famille, le Sénat partage avec l'Assemblée nationale l'objectif de faciliter l'accès des agents publics aux dispositifs en faveur des proches aidants. Je citerai aussi la lutte contre la fraude sociale qui doit tous nous rassembler, quelle que soit notre appartenance politique. Les débats au Sénat ont enrichi les articles qui renforcent les outils de cette lutte. Nos convergences ont donc été nombreuses et ne se sont pas arrêtées à des modifications de forme, mais tel fut malheureusement aussi le cas de nos points de divergence. D'abord, le Sénat a adopté un certain nombre de prélèvements supplémentaires et de nouvelles exonérations dont je ne partage pas le bien fondé. L'absence de cohérence globale de ces dispositions, leur effet sur les comptes ainsi que leur contradiction avec nos objectifs de rationalisation des exonérations et de stabilisation des prélèvements obligatoires me conduisent à en souhaiter leur suppression. Le Sénat a également supprimé le transfert financier entre les branches famille et maladie visant à faire porter à la première une part du financement des indemnités journalières versées pendant le congé maternité, ainsi que de rationaliser le financement d'un certain nombre d'indemnités au regard de l'objectif qu'elles poursuivent. Cette suppression conduirait à approfondir d'autant le déficit de la branche maladie au regard de la trajectoire proposée par le gouvernement et atténuerait l'effort de cohérence budgétaire que porte cet article. Même si l'opposition est ici plus formelle, je veux citer également le rejet d'un article obligatoire d'approbation de l'annexe B, au motif notamment d'une interrogation sur les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles elle repose. La forte incertitude qui préside actuellement à l'évolution de la situation économique n'a pourtant pas empêché le Haut Conseil aux finances publiques de qualifier de crédible cette trajectoire pour 2022 et de plausible les hypothèses d'inflation et d'évolution de la masse salariale pour 2023 dans l'avis qu'il a remis sur ce projet de loi de financement. Brièvement, puisqu'il m'est impossible de ne pas l'évoquer, nous portons en séance l'amendement de suppression de l'article du Sénat relatif à la réforme des retraites adoptée en commission. Si nous partageons le diagnostic de la majorité sénatoriale sur la situation déficitaire de notre système de retraite, nous ne pouvons ignorer les concertations avec les partenaires sociaux engagées par le gouvernement. C'est uniquement à l'issue de ces discussions que le législateur devra s'engager résolument en faveur de la préservation de notre système de retraite, auquel, je crois, nous sommes tous attachés ici. Ce sujet n'est cependant pas le seul qui a opposé nos assemblées en dépenses. Je citerai aussi, là encore, sans prétendre à l'exhaustivité, les dispositions sur l'accès aux soins, dont certaines ont été tout simplement supprimées, comme celle sur l'extension de la permanence des soins ou l'expérimentation de l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée, proposition du groupe transpartisan de la Commission. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de discuter encore de ce sujet au sein de notre Assemblée dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi que portera notre majorité. Dans l'attente, compte tenu de l'urgence de la situation, je suis convaincue qu'il faut saisir de ce PLFSS pour avancer sur un certain nombre de sujets. Les dispositions sur la régulation des dépenses d'assurance maladie et la lutte contre la fraude. Le Sénat a supprimé les baisses de tarifs attendues dans la biologie médicale en les remplaçant par une contribution exceptionnelle pour la seule année 2023, alors qu'il paraîtrait pleinement justifié que ce secteur, dont la croissance est fortement dynamique, contribue davantage au respect de l'ONDAM dans un contexte contraint.
Le Sénat a aussi supprimé la procédure de récupération des indus par l'extrapolation de l'article 44, ce qui prive l'assurance maladie de la possibilité de récupérer des montants importants de sommes indûment versées par la collectivité. S'agissant de la famille, il est aussi particulièrement regrettable que le Sénat ait supprimé l'article 37 portant sur la subrogation des indemnités journalières dues à l'occasion des congés maternité, de paternité et d'adoption, alors même qu'une garantie de remboursement des entreprises dans un délai de 7 jours est prévue par cet article et que ce dernier sécuriserait les ressources de familles à un moment où elles sont potentiellement vulnérables financièrement. Je tiens à saluer le travail de notre commission, qui est revenue souvent par le biais d'une démarche transpartisane à la substance du texte retenu par le gouvernement en première lecture. C'est cet esprit de cohérence qui a permis de rétablir des demandes d'information du Parlement par le gouvernement sur des sujets aussi variés que la régulation des dépenses d'assurance maladie relatives aux produits de santé, sur le congé de proche aidant, sur le taux d'encadrement dans les EHPAD ou l'encadrement des activités financières de ces établissements pour protéger les petits épargnants. Des améliorations concrètes pour la santé de nos concitoyens, s'agissant par exemple de la permanence des soins ou du congé de présence parentale pour les fonctionnaires, et la suppression de dispositions dont l'adoption pourrait conduire à des lendemains plus difficiles. Je pense par exemple à la taxe des organismes complémentaires qui aurait pour effet pérenne de renchérir des primes payées par les assurés. J'ai la conviction que l'Assemblée, en responsabilité, prolongera cet esprit de cohérence et d'équilibre qui marque ce texte dans une situation budgétaire qui demeure lourdement déficitaire en dépit de l'amélioration des comptes pour 2023. Je crois que nous devons à l'ensemble de nos concitoyens un budget de la sécurité sociale sincère qui assume les défis qui nous attendent. Le service public de la petite enfance, les recrutements pour accompagner les personnes en perte d'autonomie, sans obérer la capacité des générations futures à faire leurs propres choix budgétaires en raison d'un endettement trop massif. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. J'ai reçu de M. Boris Vallaud et des membres du groupe socialiste apparenté une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Jérôme Guedj. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues, le 20 octobre dernier, j'étais à cette même tribune pour présenter une motion de rejet au début de l'examen du PLFSS. Et de bonne guerre, serais-je tenté de dire, vous aviez alors poussé quelques cris d'orfraie, considérant que ce refus d'examiner d'emblée le texte était révélateur d'une position par principe sectaire, d'une attitude résolument fermée, voire, en caricaturant à peine, d'un mépris pour le budget de la sécurité sociale et tout ce qu'il permet de financer les allocations familiales, les hôpitaux, les EHPAD, la petite enfance, le handicap, etc., etc. Et à l'époque, je vous indiquais, en anticipant évidemment cette critique, que cette motion de rejet était d'une certaine manière le seul outil dont pouvaient disposer les parlementaires à l'orée d'une séquence dont le déroulé était écrit d'avance. Je vous disais à l'époque que cette motion de rejet était le moyen par lequel nous vous proposions la réécriture d'un texte dont nous considérions que son niveau de préparation, de concertation, de recherche de compromis n'avait pas été suffisamment avancé pour permettre ce que sincèrement les uns et les autres nous appelions de nos voeux, à savoir la recherche du compromis pour obtenir un budget de la sécurité sociale qui réponde efficacement aux besoins. Patatras, ce qui devait arriver, arriva. Quelques heures après, vous déclenchiez un premier 49-3, puis un deuxième 49-3 sur ce budget de la sécurité sociale, pour la première fois de l'histoire du PLFSS, révélant ainsi l'incapacité dans laquelle vous êtes, structurellement, de pouvoir opérer cette recherche de la convergence. Et d'une certaine manière, l'échec de la commission mixte paritaire la semaine dernière, même s'il s'explique par
le niveau de mesures négatives, parfois, que le Sénat avait pu adopter, mais dans le même temps, vous avez aussi passé par-dessus bord quelques orientations qui auraient pu agréer aux uns et aux autres. Vous vous faites les chantres du compromis, mais vous n'avez pas réussi à élaborer un texte qui convienne ni à l'Assemblée nationale, d'où 2.49.3, ni encore moins à l'Assemblée nationale et au Sénat réunis en commission mixte paritaire. Nous vous l'avions dit avec force et clarté dès le début de nos débats, une chose simple, sans compromis, pas de majorité. Or, en Macronie, même avec une majorité relative, même après le choix souverain des Français, le compromis, c'est comme Godot dans la pièce de Beckett. Tout le monde l'attend, tout le monde en parle, mais personne ne le voit jamais. L'éternel retour que nous vivons donc à l'instant, c'est aussi, je le dis sincèrement, celui de la déception. Je vais évidemment focaliser mon propos sur celles des dispositions qui continuent à nous poser problème, mais je le dis avec la sincérité que j'essaye de porter à chaque fois que j'interviens ici, sans méconnaître celles des dispositions que nous avons approuvées d'emblée, parce que telles quelles elles nous allaient, je pense naturellement aux IST, à la contraception, celles pour lesquelles nous avons participé à leur enrichissement, comme les consultations de prévention ou d'autres. Mais la déception demeure. Car les carences initiales de ce PLFSS n'ont pas été comblées. Je le dis, votre trajectoire ne prend toujours pas au sérieux le niveau de l'inflation et des dépenses supplémentaires que notre système de santé, notamment hospitalier, mais aussi médico-social, dans les EHPAD, est amené à subir. Alors, à l'instant, Monsieur le Ministre, vous venez de nous annoncer que vous ajoutiez par un amendement, 400 millions d'euros à l'ONDAM 2022. En plus des 500 millions d'euros que le Sénat avait lui-même ajouté. Si j'étais taquin, et je le suis un petit peu, je vous dirais que ce presque milliard d'euros supplémentaires que vous ajoutez à l'ONDAM 2022, c'est précisément les amendements que nous avons déposés en commission des affaires sociales dès le 14 octobre dernier pour l'examen et qu'à l'époque, je ne vais pas faire injure à ceux de nos collègues qui balayaient d'un revers de la main les calculs que nous faisions et que nous proposions quand nous disions que l'ONDAM 2022, qu'il s'agisse de l'inflation, qu'il s'agisse des surcoûts pour une partie liée au Covid ou qu'il s'agisse d'ores et déjà des difficultés dans les urgences qui malheureusement ont été amplifiées par l'ampleur de la bronchiolite. Nous vous disions dès cette époque que votre ONDAM 2022 corrigé ne permettait pas de répondre aux besoins et voilà qu'un mois après, vous arrivez et vous nous dites, vous ne le direz pas avec autant de franchise et autant de candeur, vous aviez raison. Et comme on n'est quand même pas mécontent parfois du travail que nous portons, nous avons le sentiment que nous avions raison aussi sur beaucoup plus des amendements que nous vous avions proposés. Et c'est la raison même d'être de cette motion de rejet. Alors c'est un exercice de style pour vous dire, si vous êtes capable, un peu dans l'urgence, je le dis, hein, un peu dans le bricolage, parce qu'un amendement du gouvernement déposé en début d'examen du PLFSS à 400 millions d'euros, pardon de le dire, mais ça fait un petit peu bricolage. Donc plutôt que d'éviter que ça puisse se reproduire, ben, remettons-nous autour de la table et travaillons tranquillement à l'élaboration d'un PLFSS qui réponde réellement aux besoins. Vous êtes, je l'ai dit, dans le déni s'agissant de l'inflation et du montant de l'ONDAM qu'il faut intégrer. Vous êtes encore aussi dans une forme de déni s'agissant des déserts médicaux et de l'impasse sur l'incitation. Et surtout, cette nouvelle version du PLFSS, avec ces millions supplémentaires, notamment pour l'hôpital, mais uniquement pour l'ONDAM 2022, continue à ne pas être à la hauteur de la menace de l'effondrement de l'hôpital public, parce que j'aurais aimé, d'une certaine manière, Monsieur le Ministre, que vous nous disiez, nous avons un amendement rectificatif pour l'ONDAM 2022, mais conséquemment, nous allons avoir un amendement rectificatif pour l'ONDAM 2023, puisque votre base 2022 n'est pas intégrée dans le futur ONDAM 2023, parce qu'à ma connaissance, vous n'avez pas déposé un amendement pour amplifier à due concurrence l'ONDAM 2023, bricolage encore. Alors même, Monsieur le Ministre, que les urgences pédiatriques et la pédiatrie en général sont saturées par cette épidémie de bronchiolite particulièrement violente. Vous nous dites, Monsieur le Ministre, que nous ne devons pas parler de tri des enfants à l'hôpital, et je sais votre sincérité quand vous affichez cet objectif, et je sais que vous ne vous satisfaisez pas de la situation que nous vivons actuellement. Mais je ne peux pas m'empêcher ici
de faire l'écho de ce que plusieurs d'entre nous avons entendu ce matin sur France Inter dans la bouche d'un médecin, qui expliquait que, faute de lits suffisants et de lits ouverts, certains des enfants en décompensation sont traités dans des bureaux administratifs et que cette situation risque de perdurer. Vous êtes également encore et toujours dans le déni s'agissant de la prise en charge du grand âge et de l'autonomie parce que, je le dis et je le redis comme je l'ai dit à chaque fois ici, ce PLFSS qui nous était présenté comme étant une mesure compensatoire à l'absence de loi grand âge et autonomie ne fait que quelques micro-petits pas qui ne sont pas à la hauteur des besoins manifestes pour accompagner les personnes âgées dans les EHPAD, pour les accompagner à domicile, pour lutter contre l'isolement et tout simplement pour revaloriser les aidants, les professionnels et accompagner les familles qui attendent enfin des moyens supplémentaires avec des objectifs chiffrés et avec aussi des recettes, car il n'y a pas de juste financement de la sécurité sociale si nous ne mettons pas en place les mesures pour le faire. Ce que nous avions fait, ce que le Sénat a fait, et je vois que tous les amendements intéressants que le Sénat avait mis sur la table pour pouvoir financer la branche autonomie ont été balayés d'un revers de la main. Sur les retraites, enfin, Madame la rapporteure, à juste titre, vous nous dites que vous avez écarté l'amendement du Sénat, et nous nous en félicitons, évidemment. Mais je le dis avec force, pas pour les raisons qui sont les vôtres. Vous l'écartez parce que vous voulez reculer pour mieux sauter, si j'ose dire, et sauter peut-être plus fort et plus haut. Nous le disons, nous rejetons ici symboliquement la philosophie qui est la vôtre, demain, de mettre en place un allongement de la durée légale. Ce n'est pas 64 ans, ce n'est pas 65 ans, ce ne sera jamais le report de l'âge légal. En tous les cas, vous nous rencontrerez sur ce terrain-là. Et voilà où nous en sommes, à ce moment du débat parlementaire. Je ne sais pas à quelle heure, mais dans la journée, peut-être demain, la Première ministre va à nouveau franchir les portes de l'hémicycle pour la troisième fois sur ce PLFSS, pour la troisième fois signant l'échec en venant engager la responsabilité du gouvernement. Cela donc s'est traduit par un travail en commission sous la houlette bienveillante de notre présidente, mais avec une frustration que d'examiner un texte dans lequel nous savions que les amendements que nous déposions n'avaient aucune chance et que nous nous soumettions à nouveau au bon vouloir du gouvernement qui allait picorer ici ou là un amendement d'un tel ou un tel. Ce n'est pas notre conception du débat parlementaire, ce n'est pas notre conception de la nécessité pour la sécurité sociale de disposer d'un bon budget. Et donc je vous invite, dans un mouvement de sursaut parlementaire et de barou d'honneur, de conserver la main en rejetant ce PLFSS. Merci, Monsieur Guedj. Nous passons maintenant aux explications de vote. Je rappelle que chaque intervenant dispose de 2 minutes. La parole est à Madame Amiot du groupe La France Insoumise. D'accord. Donc nous passons. La parole est à Monsieur Bazin du groupe Les Républicains. Comment ça se passe là ? Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure générale, Madame la présidente de la Commission, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner en séance, en nouvelle lecture, ce PLFSS. Après avoir été privé de débat sur l'ensemble de la partie recettes en première lecture, après avoir été limité à quelques heures de débat sur la partie dépenses, vous voulez rejeter le PLFSS sans même en débattre. Ce n'est pas acceptable. Dans le contexte actuel, rejet préalable sans débat et 49-3 précipité sans débat sont les deux faces d'une même pièce. Pour autant, malgré toutes les avancées énoncées à la tribune par les ministres pour ce PLFSS, il faut revoir votre copie. Vous avez fini par nous entendre sur un certain nombre de points. C'est un premier pas. Il faut aller plus loin. La deuxième partie est en partie corrigée, mais on voit bien que la copie reste imparfaite. Le projet n'est pas à la hauteur du défi de mieux soutenir la politique familiale pour encourager la natalité. Pire, il vient à nouveau raboter la branche famille de près de 2 milliards. Le projet n'est pas à la hauteur du défi du vieillissement de notre population, faisant à nouveau l'impasse sur la loi grand âge. Le projet n'est pas à la hauteur du dialogue social. Le paritarisme est méprisé à travers le transfert forcé du recouvrement des cotisations de la GERARCO. Les TPE-PME sont fragilisées par les subrogations envisagées des indemnités journalières. Voici quelques exemples qui illustrent la nécessité d'examiner, de corriger ce PLFSS en profondeur afin de l'améliorer. C'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas une motion de rejet du débat.
Il nous faut débattre. Il nous faut corriger ce PLFSS. Oui, monsieur et madame les ministres, laissez-nous examiner ce PLFSS. N'utilisez pas ce 49.3 de manière précipitée afin d'éviter le débat. Car sinon, l'abus de 49.3 précipité nuira à la santé de notre démocratie parlementaire. Merci monsieur Bazin. La parole est à madame Amiot du groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Le groupe La France Insoumise votera cette motion de rejet proposée par nos collègues du groupe socialiste et je vous invite toutes et tous à en faire autant. Voilà 4 fois en un mois que s'est vu appliquer l'article 49 alinéa 3 pour les projets de loi budgétaire de 2023. Au vu du temps de discussion prévu pour la deuxième lecture, nous en attendons donc à ce que vienne s'appliquer un cinquième 49.3. Vous souhaitiez du débat. Vous souhaitiez du temps pour discuter chaque article, vous avez été servi. Arrêtons tout de suite cette mascarade et adoptons ensemble cette motion de rejet. Depuis le passage au Sénat, la Commission a su réintégrer des demandes de rapport, notamment celui de ma camarade Caroline Fiat, sur la création d'un ratio minimal de soignants par résident dans les EHPAD, disposition qui avait été injustement retirée par le Sénat. L'article sur la retraite à 64 ans a été également retiré, il faut s'en féliciter. Mais pendant ce temps, M. Dussault, ministre du Travail, distille dans la presse les premières pistes de sa réforme des retraites qui viendra encore une fois toucher les plus précaires. Alors que selon plusieurs instituts de sondage, un minimum de 72% des Français sont contre l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite. De nombreuses mesures ajoutées au Sénat ont été supprimées en commission des affaires sociales et c'est une bonne chose. Mais nous en revenons à peu près à la version du 49.3 qui est totalement insuffisante. Casse progressive de la sécurité sociale, toujours aussi peu de moyens pour l'hôpital public avec des urgences en crise et la France entière qui devient un désert médical, des EHPAD privés lucratifs qui poursuivent leur maltraitance structurelle des résidents et du personnel. Face à votre politique d'austérité et alors que le Covid revient, alors que le monde est plus qu'incertain au niveau climatique et diplomatique, la sécurité sociale pourrait redresser le pays, mais vous choisissez purement et simplement de la démanteler. Au nom du groupe France Insoumise, les Français peuvent donc compter sur notre vote pour cette motion de rejet. Je vous remercie. Merci. Sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisie par le groupe socialiste apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur Vigier du groupe démocrate. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Le groupe démocrate, cher Jérôme Gage, ne vous suivra pas sur votre chemin. Et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce que je connais la pertinence, la cohérence et votre connaissance de ces dossiers qui sont liés naturellement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce texte est passé en commission, vous le savez. D'ailleurs, il était passé la fois d'avant. Mais vous savez aussi, parce que vous êtes honnête dans vos appréciations, que les oppositions avaient déjà déclaré à la tribune que quoi qu'il arrive, elles ne voteraient pas. Quand on cherche le compromis, quand on cherche l'accord, en partant de points qui sont différents. À ce moment-là, on fait un effort pour faire un pas les uns vers les autres. Oui, mais pas vous, mais vos amis. Et dès le moment où vos amis avaient expliqué, dès le départ, que quoi qu'il arrive, voterait contre, ça veut dire que le rideau était tombé. Et donc cela, nous ne l'acceptons pas. Ce projet de loi de financement... D'ailleurs, je note que cette motion de rejet préalable vous donne la possibilité de vous exprimer à nouveau sur des sujets que vous connaissez bien, qui vous tiennent à cœur. On parle souvent des EHPAD, d'ailleurs en commission, je parle sous le regard de la présidente. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on était assez proches et je suis d'ailleurs assez persuadé que, chemin faisant, on arrivera à trouver, comme ça a été fait dans le cadre de la mission d'enquête sur les EHPAD, un accord entre majorité et opposition. Quand vous dites au ministre, on met 500 millions, c'est du bricolage, pardonnez-moi, je préfère prendre 500 millions sur la construction et le compromis plutôt que dire on prend rien. Et accordez-moi également que ce qu'a évalué le 49.3 du gouvernement, c'est le fait qu'on avait pris 1 milliard à la médecine de ville pour les mettre à l'hôpital sans réfléchir. Et dernier mot, sur les retraites, vous êtes, chère madame, je vous ai écouté, chers collègues, alors ayez la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout, je termine. Sur les retraites, vous êtes quand même plutôt mal placé pour nous expliquer qu'il faut bouger les mesures d'âge ou ne plus les bouger, sachant que c'est vous qui avez été pour Marisol Touraine dans ce même hémicycle
à l'époque le rapporteur pour faire en sorte que la retraite à 60 ans n'existe plus et qu'elle soit à plus de 62 ans. Je vous remercie. Un peu de cohérence. Merci, monsieur Vigier. La parole est à monsieur Guedj du groupe socialiste apparenté. Je suis très heureux, Madame la Présidente, d'avoir deux minutes pour répondre à mon excellent collègue Philippe Vigier. D'abord sur un point qui a son importance, et je le dis un peu avec beaucoup de solennité. Je vous mets au défi, cher collègue Vigier, de trouver une déclaration dans l'hémicycle ou même dans les médias, et c'est même le contraire, selon laquelle tel ou tel de ceux qui sont ici, en tous les cas pour ce qui me concerne, et j'entendais à l'instant certaines des expressions de mes collègues de la France insoumise, disant que par principe, nous ne voterions pas ce PLFSS. J'ai eu l'occasion de le dire dans des débats avec certains d'entre vous, je crois que c'était sur la chaîne parlementaire, pour dire que moi, je souhaite être dans l'état d'esprit de ne pas voter contre ce PLFSS. Je ne peux pas vous dire que je l'aurais voté dès demain, mais qu'une discussion constructive, intelligente, associée, aurait pu permettre d'obtenir ce qui aurait évité des 49-3, ce qui peut arriver à certains moments, qui s'appelle une abstention constructive. Et que ça, la sincérité de la recherche de cette démarche, je vous le dis, elle n'a pas eu lieu, mes chers collègues. Et je l'ai dit à plusieurs reprises aux uns et aux autres, moi, non, mais c'est la vérité, vous pouvez raconter une histoire et une petite légende urbaine, à aucun moment, qui que ce soit a dit ici qu'il souhaitait par principe s'opposer. Je le dis avant les débats, attendez, pour ce qui me concerne, vous savez quoi, la mesure de vos réactions atteste du fait que j'appuie là où ça fait un petit peu mal. Parce que la réalité du travail que moi j'engage, j'aime trop le PLFSS, j'aime trop le budget de la sécurité sociale, j'aime trop les politiques qui sont menées pour arriver en disant par principe, je dis non. Je l'ai encore dit à l'instant tout à l'heure, il y a plusieurs des mesures présentées par M. Braun ou par monsieur Combes que j'ai signées des deux mains dès la lecture du PLFSS. Et il y en a d'autres sur lesquelles on a dit, regardons comment on peut avancer. Il y en a même certaines qui étaient portées par plusieurs d'entre vous. Vous savez, si l'amendement de M. Ferracci et l'amendement de M. Houlier qui proposait de revenir sur des exonérations de cotisations sociales à hauteur d'un million avait été voté, j'aurais été content de soutenir ce PLFSS. Merci, M. Guedj. La parole est à M. Meynier du groupe Horizon. Vas-y. Allô, allô. Merci, Madame la Présidente. Bon, on s'habitue à tout, même aux motions de rejet. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la nouvelle lecture de ce budget de la sécurité sociale pour 2023. Et donc nous commençons comme chaque fois par une énième motion de rejet de la NUPES. Pas une, pas deux, pas trois. Si je ne me trompe pas, nous sommes à 8 motions de rejet de la NUPES depuis le début de cette législature. Sur combien de textes examinés par cette Assemblée, c'est un quasi sans faute. Alors, on connaît la chanson, comme Alain Resnais, on connaît votre dépôt de motion de rejet. Vous connaissez déjà notre réponse. Nous nous opposons à cette motion de rejet. Chers collègues, débattons de ce budget de la Sécurité sociale. Merci, monsieur Meynier. La parole est à madame Rousseau du groupe écologiste. Merci, madame la présidente. Alors nous, on ne s'habitue pas tellement au 49-3. Hein. Et c'est la raison pour laquelle on dépose cette motion de rejet. Donc nous voilà donc de retour pour débattre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Enfin, débattre, c'est toujours le bien grand mot hein, qui est utilisé partout mais qu'on ne voit jamais venir, comme le disait mon collègue Guedj. Obéir serait plus juste en réalité. Il y avait quelques bonnes mesures dans ce PLFSS comme la contraception ou la lutte contre les IST. Et nous en avons ajouté d'autres, comme le milliard supplémentaire pour l'hôpital. Mais finalement, la recherche de consensus, selon vous, passe donc encore une fois par le 49-3, vous l'avez annoncé. Et là, ce 49-3-là portera sur le budget national de la santé et de la sécurité sociale, et la même chose pour le budget des finances. Le gouvernement du quoi qu'il en coûte se meut désormais en chantre de la maîtrise des dépenses publiques. Pourquoi ce changement ? Simplement parce que ce budget est celui de la sécurité sociale, des hôpitaux, des centres de santé, du remboursement, des médicaments et des consultations, de la rémunération du personnel de santé, de la facilité d'accès aux soins partout sur le territoire, des EHPAD publics et bien d'autres choses encore. Et sur ce budget précisément, il faut faire des économies, selon vous. Dommage que vous n'ayez pas la même prudence lorsqu'il s'agit d'exonérer de cotisations sociales les entreprises, de conditionner les aides qui leur sont versées, de taxer les surprofits. Vous nous accusez de vouloir faire exploser le budget, mais dès qu'il s'agit des plus riches et des plus grosses entreprises, les largesses sont de mise.
la rémunération des actionnaires est plus importante que la défense du système de santé ou avant du système d'indemnisation chômage, d'isolation des bâtiments assumé. J'étais récemment avec les soignants de l'hôpital de Nantes en grève, puis de ceux de l'hôpital Broca, où des services entiers sont en grande souffrance et ne sont plus en capacité d'accueillir correctement les patients, que ce soit en gériatrie, en pédiatrie, en psychiatrie, aux urgences. Tous ces services sont en manque de personnel et en manque de lits. Je vous remercie, Madame Rousseau. La parole est à Monsieur la motion de rejet. Daréville, du groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Madame la Présidente. Notre collègue Thomas Meunier, à l'instant, vient de dire on s'habitue à tout et nous ne nous habituons pas à ces budgets qui se succèdent et qui ne répondent jamais aux besoins de la sécurité sociale, aux enjeux du droit à la santé, aux enjeux de la protection sociale dans notre pays. Alors nous voulons débattre sur une autre base que celle qui nous est proposée, qui ne convient pas. Et d'ailleurs, les annonces que vous avez faites à l'entame de ce débat, Monsieur le Ministre, en sont une forme d'aveu, mais on n'y est toujours pas. Et j'ai envie de vous dire, on n'y est pas du tout. Nous ne reconnaissons d'ailleurs pas le travail qui a été engagé ici même lors de la première lecture, avec un certain nombre d'amendements qui avaient été malgré tout adoptés pour essayer de donner du souffle à ce budget. La question qui se pose, et Jérôme Guedj, dans son intervention, l'a posé avec force, c'est de savoir quelles sont vos intentions, finalement. Est-ce que vous pouvez nous assurer que vous avez réellement envie de débattre? Est-ce que vous pouvez nous assurer que Madame la Première ministre, dans quelques heures, ne rentrera pas dans cette porte et que, par cette porte, pour mettre fin à ce débat, dans cette porte, je ne lui le souhaite pas, mais qu'elle ne rentrera pas par cette porte pour mettre fin à ce débat et pour, au final, empêcher le débat que vous dites souhaiter. Est-ce que tout ça n'est pas déjà programmé, finalement? Quelles sont véritablement vos intentions? Nous pensons que vous allez faire comme vous avez déjà fait en première lecture, et je crois que vous l'avez pour partie déjà annoncé. Donc cette motion de rejet, c'est une protestation contre l'impuissance dans laquelle vous voulez nous maintenir et à laquelle vous voulez nous réduire. Nous la voterons. Merci, Monsieur Daréville. La parole est à Madame Thévenot du groupe Renaissance. Madame la Présidente, mes chers collègues, effectivement, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on ne compte plus les motions de rejet, enfin plutôt vos motions de rejet. Parce que si nous ne sommes plus surpris, par contre, nous continuons à toujours être consternés de voir avec quelle agilité vous prenez un malin plaisir à travailler, à transformer le travail fait en commission, ce travail transpartisan, en occasion manquée de le concrétiser ici dans l'hémicycle. Alors, si cette motion de rejet, vous voulez qu'on l'étudie, eh bien, regardons-la ensemble. Effectivement, par cette motion, vous rejetez quoi? Vous rejetez les 600 millions d'euros supplémentaires introduits par le Sénat au sein de l'ONDAM 2022 pour mieux rémunérer le travail de nuit, renforcer nos services de pédiatrie et soutenir l'ensemble de nos établissements de santé. Vous rejetez également la mise en œuvre d'une véritable politique de prévention aux âges clés de la vie, prévention qui est notamment importante, comme l'a rappelé une des collègues sur le banc en face, pour la santé des femmes. Vous rejetez également des mesures qui ont été mises en place pour les familles modestes, pour l'allocation des familles monoparentales, augmentée de 5% au complément de mode de garde. Toutes ces mesures, tous ces progrès, nous les avons votés et travaillés ensemble aux commissions des affaires sociales. Ils sont un fruit de travail parlementaire qui fait écho à la demande que nous ont adressée les Français en juin dernier. Donc si par cette motion de rejet, vous pensez montrer votre opposition au président de la République, vous vous trompez. Vous êtes en train de vous opposer aux valeurs mêmes de la social-démocratie. Car ce PLFSS, c'est précisément un texte qui finance notre système de solidarité, qui concrétise notre volonté de ne laisser personne de côté, qui fait progresser toujours les volets sociaux, qui devrait être un écho extrêmement fort de ce côté-là de l'hémicycle, de votre côté de l'hémicycle. En somme, ensemble, des mesures, nous auriez pu les porter quand vous étiez au gouvernement, mais vous ne l'avez pas fait. Avec ce texte, la gauche l'a été. Avec ce texte, nous pansons les plaies des cicatrices que vous avez créées. En gros, avec cette motion de rejet d'une gauche de gouvernement, vous êtes passé à une gauche du renom. La parole est à Madame Melin du groupe Rassemblement National. Merci Madame la Présidente. Le déni démocratique qui préside au fonctionnement de notre Assemblée depuis le début de la discussion du PLFSS
est stupéfiant. Sur le terrain, c'est ce qui nous revient aux oreilles dès que nous pouvons y être. Alors oui, la position de beaucoup de vouloir discuter au fond se fait fort présente et est très forte. Aucun de nous ne convient du moment inévitable du 49-3 qui se profile, tant les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat sont différentes, et tant il est probable que les premiers articles soient rejetés une nouvelle fois. Nous aussi, nous aurions aimé discuter au fond. Nous en serons sans doute privés. Pour autant, trop de motions de rejet est tout aussi inepte que trop de 49-3. Nous ne soutiendrons pas cette motion de rejet par une abstention très péjorative. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la motion de rejet préalable et je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 160, exprimés 136, majorité 69, pour 37, contre 99. La motion de rejet préalable n'est pas adoptée. Nous passons à la discussion générale. Je rappelle que chaque orateur dispose de 5 minutes. La parole est à Madame Fiat du groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les Ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure Générale, chers collègues. En montant à la tribune, je ne savais pas par où commencer pour décrire les errements de ce gouvernement et ses conséquences catastrophiques sur notre système de santé. Urgences fermées, démissions à l'appel dans les métiers du soin et de la santé, maltraitance institutionnelle quotidienne, pour ne pas dire maltraitance gouvernementale, dans nos EHPAD, personnel à bout de souffle, décès sur les brancards dans des couloirs où règne le désespoir. Cette énumération n'est malheureusement pas exhaustive et dépeint des scènes surréalistes, tout comme vendredi dernier lors de la table ronde à la maternité du CHRU de Nancy, où lorsqu'une pédiatre vous a annoncé qu'elle serait seule le week-end pour 60 enfants, la seule réponse que vous avez réussi à lui apporter, remercier toute l'équipe pour son dévouement. Vous connaissez les mots MAUX, vous en connaissez aussi les remèdes, puisque nous vous les proposons depuis des années. Un ONDAM à la hauteur des besoins de la population, ou encore mieux, pas d'ONDAM du tout. Suppression de la tarification à l'activité, recrutement massif, des salaires dignes en cohérence avec la reconnaissance de ces métiers à leur juste valeur, fin de la gestion des hôpitaux comme des entreprises, fin du privé lucratif pour nos aînés. En résumé, une augmentation des moyens financiers, humains et techniques. Pour rappel, les collègues ne reviendront pas et n'arrêteront pas de démissionner tant qu'on ne leur rendra pas ces trois moyens pour traiter leurs patients résidents avec dignité. Mais pourtant, vous refusez toujours de suivre ces réponses, même face à une crise sans précédent. Dans votre logique de rentabilité, cela coûte sans doute beaucoup trop cher. Mais monsieur le ministre, pour vous, combien vaut une vie ? Sûrement assez peu, puisque l'augmentation du budget de la Sécurité sociale n'atteint même pas le niveau de l'inflation. Stop l'hypocrisie, stop les caricatures. Pour prendre un exemple simple et explicite pour tout le monde, alors que nous vous demandons un conteneur de cacahuètes, vous nous offrez une cacahuète et osez utiliser l'argument que la France insoumise ne veut pas de cette unique cacahuète alors que nous demandions un conteneur. Parce que oui, monsieur le ministre, lorsque nous demandons en urgence 210 000 soignants pour nos EHPAD, nous ne pouvons pas accepter les 50 000 que vous proposez sur 5 années. Comme à votre habitude, vous distillez des mesurettes pour faire croire que vous agissez.
3 rendez-vous de prévention gratuits, gratuité du dépistage des IST et de la contraception d'urgence, 2 heures de convivialité par semaine pour des personnes dépendantes à domicile, et vous acceptez, enfin, de réfléchir à mettre en place un ratio soignant-résident. Mais qui fera ces rendez-vous alors que nous manquons cruellement de médecins? Quel auxiliaire de vie trouvera le temps alors qu'elles sont déjà si peu nombreuses? Dans le même temps, vous continuez de soutenir la capitalisation et la privatisation. Après le scandale Orpea, vous feignez de mettre en place des contrôles, mais pas de sanctions pour ceux qui utilisent l'argent public pour leur profit personnel. Tout cela ne tient pas debout. En revanche, votre ignoble réforme des retraites est quant à elle bien annoncée. Pourvu que vous fassiez des économies sur le dos des plus fragiles, il n'y a là aucune hésitation de votre part. Contrairement à ce que vous voulez faire croire, vos politiques sont l'unique cause des scènes inimaginables que je décrivais au début de mon propos. La méthode est désormais bien rodée. Vous créez les pénuries, vous inventez le trou de la sécu et les défaillances de notre système de protection sociale pour ensuite crier à l'urgence des réformes néolibérales. Comme vous refusez de changer totalement de cap pour notre système de santé, alors nos concitoyennes et concitoyens sont condamnés à vivre dans des déserts médicaux, à subir les inégalités quant au droit à la santé, à vivre dans un monde où l'on trie les patients et où l'on maltraite les résidents, à s'habituer aux plans d'urgence, à mourir au travail, j'en passe et des pires. Tout cela, nous n'en voulons pas. Puisque vous allez de nouveau avoir recours au 49-3 pour empêcher le débat, je profite de cette prise de parole pour redire ici les mots d'Ambroise Croizat qu'il avait cités en octobre 1950. Je cite « Jamais nous ne tolérerons que soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine est de progrès. » Fin de citation. Sachez que nous combattrons donc sans relâche vos choix politiques qui mènent sciemment à la précarité et à la souffrance sociale. A contrario, nous proposons un autre modèle, celui qui remet l'humanité au centre des préoccupations. Voilà la seule alternative possible. Merci Madame Fiat. La parole est à Monsieur Neuder du groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame la Rapporteure Générale, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, il y a un mois, mes collègues du groupe Les Républicains et moi-même avons formulé l'espoir que le gouvernement puisse revoir cette copie. À cette même tribune, je terminais mon discours en première lecture en déplorant un énième rendez-vous manqué pour les patients, qui sont les grands oubliés de ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2023. Aujourd'hui, nous revenons pour alerter, pour de nouveau déplorer que le compte n'y est toujours pas, même si malheureusement l'actualité le fait déjà pour nous. Épisode de bronchiolite, tension de la pédiatrie, pénurie sur le paracétamol et maintenant l'amoxicilline, grève des internes, déprogrammation massive, grève des laboratoires de ville. Le pays est plongé dans un chaos sanitaire permanent. S'agissant de l'épidémie de bronchiolite, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un système de santé en péril. Mais contrairement au Titanic et à son équipage, le gouvernement avait eu toutes les alertes, avec les rapports de l'IGAS de 2019 et 2021 pour anticiper et pourtant rien n'a été fait. Dans ce projet de loi, le Sénat a tenté d'apporter certaines améliorations dont beaucoup portaient dans cet hémicycle en première lecture et que la majorité a balayé d'un revers de main. Le blocage, c'est aussi vous qui le provoquiez. À l'intérieur de ce projet de loi, nous retrouvons toujours rien pour rétablir la souveraineté sanitaire de notre pays alors que le gouvernement se trouve au pied du mur face à la pénurie de médicaments. Toujours rien pour répondre au manque d'attractivité de nos hôpitaux et de nos EHPAD. Toujours rien pour pallier aux déserts médicaux, si ce n'est une quatrième année de médecine critiquée dans les rangs même de la majorité. Un gouvernement accroché à sa vieille réforme de santé qui n'a pas prouvé la moindre efficacité en menant des débats sur la coercition. Alors écoutez-nous, supprimez vraiment le numerus clausus, stoppez l'hémorragie de nos étudiants qui partent à l'étranger pour faire leur formation et leurs études. Stoppez donc la réintégration, permettez la réintégration des soignants et écoutez nos propositions sur l'incitation plutôt que la coercition.
Par contre, dans ce projet, on trouve par exemple des mesures d'économie sur la biologie qui pénalise nos petits laboratoires, 400 laboratoires de proximité menacés, des mesures inefficaces sur la coercition et surtout, nous l'avons dit et aussi beaucoup redit, sur ces bancs, sur ceux de la Commission, les bancs du Sénat et en commission mixte paritaire, le sujet, c'est que nous avons des dépenses de santé que vous défendez avec un budget qui est insincère, une première depuis 25 ans, en dessous de l'inflation et dénoncée par la Cour des comptes. Prenons l'exemple de mon collègue Thibault Bazin sur le chauffage dans certains EHPAD. Déjà, la note de chauffage déjà consommée en avril, nos anciens doivent-ils, sont-ils contraints eux aussi de mettre un col roulé? Je n'évoque pas nos très courts débats à propos des déserts médicaux et des études de médecine, puisque nous avons enlevé des discussions en hémicycle les articles 16 à 32. Vous ne vouliez pas qu'on parle, mais parlons-en, des mesures de prévention, de la fameuse quatrième année de médecine, de l'imagerie, de la biologie, de la téléconsultation et de l'accès aux médicaments. Alors oui, sur les bancs des ministres, on attend probablement le SMS de la Première ministre qui informe de son arrivée pour déclencher le 49-3. Alors profitons très vite du temps qui nous reste pour mettre au grand jour l'hypocrisie de ce gouvernement qui s'appuie sur les rapports et les recommandations quand il veut et quand ça l'arrange. Un exemple, lorsque nous avons débattu en commission sur la proposition de loi de Caroline Fiat sur la réintégration des soignants, la majorité se targuait de s'appuyer sur les recommandations de la HAS à ce sujet avec votre interprétation. Je le redis, la HAS se prononce sur la vaccination des soignants, mais pas sur leur réintégration, car ce n'est pas une décision scientifique, mais politique. Et oui, chers collègues, il est là le problème de ce gouvernement. Il habille ses décisions politiques de recommandations scientifiques pour éviter de les assumer. Si vous voulez reprendre les recommandations de la HAS, faites-le, reprenez la lettre ouverte, je l'ai à disposition, de la Haute Autorité de Santé de mars 2022, qui formule des enjeux prioritaires face aux difficultés de nos soignants, des secteurs sanitaires, social et médico-social. Monsieur le ministre, vous indiquez dans la presse, je cite, que le diagnostic est établi. Alors arrêtons de prendre du temps avec des assises, de perdre du temps avec des assises de la pédiatrie, du Conseil national de la refondation et passons au traitement dans l'intérêt de nos concitoyens et surtout des patients. C'est pour ces raisons que le groupe Les Républicains votera contre ce projet de loi. Je vous remercie. Merci monsieur Neudert. La parole est à monsieur Vigier du groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure Générale du Budget, de la Sécurité Sociale, mes chers collègues. Parce que c'est un budget de plus de 500 milliards d'euros, ben oui, le PLFSS, n'est-ce pas cher Jérôme Guedj, c'est un budget dont le périmètre est même plus important que le budget général du pays. N'oublions pas, il est très différent dans ses branches et il appelle, me semble-t-il, non pas des propos uniquement de tribune, mais il appelle tant ce système est délabré depuis tant d'années. Et il est un peu facile, cher collègue Neudert, d'expliquer que depuis simplement 2 ans ou 3 ans, les choses vont mal. Si on est un peu honnête, quand on voit l'argent qui est mis sur la table, et vous soutenez une famille politique qui a été aux responsabilités, je peux en témoigner, et donc vous dire que les insuffisances, je les ai constatées au fil des quinquennats, et qu'en fait, la vraie question, c'est quoi ? C'est que oui ou non, est-ce qu'on sera capable, je vous le dis, monsieur le ministre, madame la ministre, de réorganiser la maison complètement de fond en comble. Moi, je n'oublie pas que la Covid est passée par là, 5e pandémie mondiale, une pandémie où on a tous été aux fenêtres à 20 heures pour remercier nos personnels, où le gouvernement était, me semble-t-il, à la hauteur en commençant à revaloriser, j'ai bien dit en commençant à revaloriser les soignants, et on fait tous le constat que, eh bien, on a un certain nombre de chantiers structurels qui sont devant nous. Alors, dans ce budget, la ministre le rappelait tout à l'heure, il y a des points positifs, des points d'avancée, et ces points d'avancée, on ne peut pas, me semble-t-il, les balayer d'un seul revers de main. Lorsqu'on parle d'une politique des préventions, lorsqu'on met 1 € sur la prévention, on fait 10 euros d'économie, naturellement, sur les soins curatifs. Je sais que, monsieur le ministre, c'est une de vos volontés, et j'espère derrière que l'application de ces décisions fortes, eh bien, seront suivies sur le terrain. Ensuite, l'encadrement de l'intérim médical. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué à tant de reprises. Et pourtant, la loi est passée par là.
Et on connaît la pression que reçoivent les chefs d'établissement. Et on sait combien c'est difficile pour un directeur de refuser quelqu'un qui fait du chantage. J'ai assisté un jour à un entretien téléphonique avec un remplaçant et un directeur d'hôpital qui a été conduit, malheureusement, à dépasser les règles telles qu'elles étaient fixées, parce que sinon, les services des urgences, c'était la ville de Bourges, je peux le dire, n'auraient pas fonctionné un week-end. Également, des avancées de lutte contre la fraude. Vous avez parlé, Madame la Ministre, d'efforts particuliers sur le handicap, suite à la Conférence nationale du handicap, sur votre souci d'harmonisation entre les différents départements. Et c'est vrai qu'il y a des différences assez significatives. Ce que nous faisons également pour la famille, sur la santé sexuelle, sur l'accompagnement des femmes, ce sont des sujets sur lesquels on ne peut dire autre chose qu'il y a des avancées, de même que le cumul emploi-retraite, qui est un début de réponse. C'est un tout petit bout de réponse par rapport aux enjeux de désertification médicale. Après, il y a des points d'interrogation. Vous savez que ce n'est pas nouveau. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, monsieur le ministre, que vous remettiez 500 millions d'euros sur la table. De nature, d'ailleurs, à satisfaire tous les amendements de l'ensemble de l'opposition, si j'ai bien compris ce qu'a dit Jérôme Gage, puisqu'il a dit « c'est dommage qu'on n'ait pas vu ça avant, parce que sinon on aurait voté ». Oh, je me dis, on a loupé un rendez-vous, quelque part, ou alors peut-être un regret formulé a posteriori, mais j'imagine qu'il va revenir des très bonnes intentions un peu plus tard. Alors, sur la quatrième année de médecine générale pour les internes, de même que sur la lutte contre la désertification médicale, j'avais soulevé devant vous, monsieur le ministre, vous en souvenez, sur les territoires qui sont dotés de CTPS et qui sont une véritable réponse à l'accès aux soins, à la mise en réseau des différents acteurs, sur le travail qu'on doit faire avec l'assurance maladie pour que ces conventionnements aient bien lieu, de manière à ce qu'on puisse récompenser celles et ceux qui vont sur ce schéma-là. Vous dire aussi, alors sur la biologie médicale, je suis très à l'aise, et pour dire, je regrette qu'on ait uniquement pris le choix, non pas sur l'enveloppe, parce qu'il était normal qu'il fasse un effort, vous voyez, un député biologiste qui peut vous le dire, mais j'avais proposé que ce soit plutôt centré sur C, monsieur le ministre, qui avait pratiqué les actes, pas simplement le prélèvement. Parce qu'il y a une difficulté sur la biologie médicale que vous connaissez tout à fait comme moi, c'est que le maillage de proximité est en train de disparaître, parce que ce sont les grands réseaux qui sont en train de se constituer. Et lorsque les grands réseaux se constituent, qu'est-ce qu'il y a? La qualité est moins au rendez-vous. Et deuxièmement, chacun le sait, c'est qu'en fait, les petits laboratoires de proximité vont se retrouver naturellement atteints par cette baisse de nomenclature. Et quelque part, je suis pas persuadé que le maillage résistera, ce d'autant plus que lorsqu'on parle des professionnels de santé, là, il y a un véritable déficit. Sur les PADU, j'ai eu encore un exemple hier matin. Un médecin étranger ayant satisfait la VAE, dermato, je vous ferai passer les éléments, monsieur le ministre, il est obligé d'aller travailler 2 ans dans une maison de retraite alors qu'il pourrait être projeté directement dans le monde du privé. Il faut qu'on arrive à régler ce sujet-là. Votre prédécesseur est déjà passé de 3 ans à 2 ans. Vous avez accepté, je le dis devant tout le monde, le fait qu'on décale de 4 mois les jurys de manière à ce que l'on puisse, j'espère que, je sais que la rapporteure générale y est très sensible, que l'on puisse avancer sur le nombre de dossiers qui sont traités. Bref, allons de l'avant. Et pour terminer mon propos... Je vous remercie de conclure, monsieur. Je dirais simplement, madame la présidente, que le chantier est à construire. Il nécessitera des compromis. Sachez que le groupe démocrate y est prêt, prêt à vous aider. Et je suis persuadé que l'ensemble des sensibilités politiques, on aurait, me semble-t-il, intérêt tous, pour la santé des Français, à être tous autour d'une table et à avancer ensemble. La parole est à monsieur Guette du groupe socialiste apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, c'est toujours un plaisir en plus de parler après Monsieur Vigier parce que je peux répondre et c'est un dialogue toujours fécond. Dans mon intervention sur la motion de rejet, pour laquelle je vous redis que l'objectif n'était naturellement pas de balayer celles des mesures qui pouvaient être intéressantes et l'énumération de celles que nous avons soutenues ne justifie pas de nous vilipender, mais de remettre sur le métier, et c'est ce que je voudrais... porté dans mon intervention, ceux des sujets dont nous considérons que ce PLFSS ne les traite pas, ou alors quand il les traite, il ne les traite pas suffisamment. Je ne reviens pas sur la question de l'ONDAM, même si, monsieur le ministre, j'espère tout à l'heure que dans la discussion, vous pourrez répondre quand même à cette question qui m'intrigue au regard de l'amendement que vous venez de déposer, parce que c'est fort bien de déposer cet amendement dont je redis qu'il était exactement celui que nous avions déposé au mois d'octobre, mais pour lequel il n'y a pas intégration de cette base de l'amendement en 2023. Donc si vous estimez que ces 500 millions qui sont liés à des surcoûts, probablement liés à la situation exceptionnelle que nous vivons, mais c'est quand même bizarre d'envoyer comme signal à l'ensemble des soignants que cette situation n'est que circonscrite à l'année 2022 et que les difficultés qu'ils vivent
sont structurelles et nécessitent des réponses qui s'inscrivent dans la durée. Vous avez pour l'instant un ONDAM 2023 qui, du coup, est inférieur à celui que vous annonciez dans votre dossier de presse. C'est quand même un petit peu fâcheux. Et si j'étais taquin, et je le suis à nouveau, je ne manquerai pas de constater, c'est dommage que Gabriel Attal n'est pas présent, que pour financer vos 500 millions d'euros, vous n'hésitez pas à baisser de 100 millions d'euros la dotation des soins de ville. C'est en tous les cas ce qui apparaît dans le gage de l'amendement, on y verra, ou alors je l'ai peut-être vu trop rapidement, preuve que c'est quand même possible, je me rappelle le scandale que ça avait déclenché. Pour avancer sur les objectifs de la protection sociale, nous vous disons avec force que le combat pour la République sociale peut et doit être une réalité. Nous considérons que la République sociale, c'est le contraire du chaos libéral et qu'un PLFSS est le bon outil justement pour faire vivre cette République sociale, c'est-à-dire d'abord la conquête de la liberté et de la protection pour les travailleurs et les citoyens, la liberté face à la pauvreté, la liberté et la protection face à la maladie, face aux conséquences du vieillissement. Et pour cela, nous avons une différence peut-être de philosophie, mais elle participe de la qualité de notre débat démocratique, c'est que nous avons le sentiment de vouloir partir des besoins à satisfaire quand, trop souvent, vous partez des économies à réaliser ou des mesures supplémentaires dont il faut contenir la progression. L'exemple que je viens de vous donner en est une bonne illustration. De quoi avons-nous besoin en partant des besoins et à satisfaire? D'abord, d'un plan de reconstruction de l'hôpital. Il y a urgence à augmenter les dépenses de fonctionnement au regard des besoins présents et de lancer un plan d'investissement au regard des besoins anticipés. Nous proposons aussi de compléter les revalorisations aux oubliés du Ségur. Nous proposons des quotas cibles et des ratios plutôt cibles de personnel pour mieux organiser les services. Nous n'échapperons pas à ce débat qui se fait jour dans le monde hospitalier, mais aussi dans les EHPAD. Nous pensons aussi qu'il faut massivement investir pour la psychiatrie qui demeure, hélas, le parent pauvre de l'hôpital et surtout, nous proposons de sortir des effets mortifères de la tarification à l'activité et rien dans ce PLFSS n'engage ce nécessaire mouvement. Nous proposons aussi pour une sécurité sociale qui répond à ces objectifs d'universalité de mettre fin au reste à charge. Gouverner par les besoins, c'est garantir la prise en charge à 100% de la sécurité sociale et des frais de santé. C'est le 100% sécu que nous appelons de nos voeux et que nous ne voyons pas se mettre en place, ni dans la logique de mieux encadrer les dépassements d'honoraires. Nous proposons aussi de lutter contre la pénurie de médicaments en créant un pôle public de médicaments. Aujourd'hui, on le voit, la pénurie d'antibiotiques essentiels arrive dans nos pays, dans notre pays. Le problème, c'est que les sites de production de la matière première d'antibiotiques sont concentrés en Chine et aujourd'hui, ces producteurs la ferment. Des sites n'ont pas été rouverts après la crise du Covid. Un pôle public du médicament participerait aussi à faire barrage à une forme de marchandisation de la santé en permettant la transparence sur les prix. Nous proposons d'investir massivement dans une politique de prévention en santé environnementale. Là aussi, notre frustration est présente. Enfin, je l'ai déjà évoqué, la lutte contre les déserts médicaux et la nécessité de changer le modèle de l'EHPAD et la politique grand âge et autonomie, tout ceci ne figure pas au changement de braquet suffisant et nécessaire dans ce PLFSS, dont je redis que nous étions prêts à coproduire un certain nombre de mesures, notamment sur le financement. J'en ai évoqué une tout à l'heure. Nous étions prêts aussi à mettre en place une taxe sur les super-profits des grandes entreprises ou une redevance sur les établissements médico-sociaux. Tout ceci n'y figure pas. Merci, je crains Monsieur que le Gage. Débat avorté qui s'annonce ne permette pas d'aller plus loin sur ces questions-là. Merci. Je rappelle qu'en vertu de l'article 9 de l'instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale, il est interdit de téléphoner à l'intérieur de l'hémicycle. La parole est à Monsieur Meynier du groupe Horizons et Apparentés. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, chers collègues, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la nouvelle lecture du budget de la Sécurité sociale pour 2023. Un budget de la Sécurité sociale qui, on l'a dit, est le budget de la Sécurité sociale des engagements de campagne du Président de la République en matière notamment de prévention, en matière de soutien aux familles, notamment monoparentales, en matière de soutien à l'autonomie, en matière de lutte contre la fraude. Alors ce budget de la Sécurité sociale, nous l'avons adopté en première lecture par l'article 49.3 déclenché en responsabilité
par le gouvernement. Le groupe Horizon a été force de proposition dans l'examen de cette première lecture, et je me permets de revenir sur quelques-uns des amendements que nous avons pu parfois voter dans cet hémicycle ou qui ont été repris par le gouvernement dans le texte issu du 49.3. D'abord, nous avons présenté dans cet hémicycle, défendu et fait voter, un amendement faisant suite aux révélations de l'affaire Orpea pour permettre au grand corps d'inspection d'inspecter les groupes privés, les établissements privés dans le médico-social pour éviter de nouveaux scandales Orpea. Ensuite, concernant la branche famille, et je veux saluer le travail du rapporteur de la branche, cher Paul Christophe, qui a notamment permis d'introduire de belles dispositions comme le financement des modes de garde collectifs par le CMG structure, l'ouverture du droit aux parents d'enfants malades dans la fonction publique, le renouvellement du congé de présence parentale au profit des parents d'enfants gravement malades, ainsi que l'élargissement des conditions d'accès du congé proche aidant pour les salariés et agents publics. Ce sont de belles avancées que nous avons obtenues en première lecture. Nous avons également travaillé et fait adopter un certain nombre d'autres amendements. Je pense notamment à l'expérimentation et donc au déploiement global du dépistage néonatal de la drépanocytose que vous avez annoncé depuis, faisant suite à l'avis de la Haute Autorité de Santé, monsieur le ministre. Nous avons également avancé sur la procédure pour accélérer la procédure d'études d'autorisation d'exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne. Nous avons avancé pour harmoniser et améliorer le cadre de la e-santé en France en y mettant notamment plus d'éthique. Et enfin, nous avons également avancé pour prolonger l'expérimentation du cannabis thérapeutique pour permettre aux malades de bénéficier de leur traitement pendant qu'une filière française se structure. Sur tous ces sujets-là, nous avons avancé, travaillé ensemble, et d'ailleurs pour un certain nombre d'entre elles ont été reprises conformes par le Sénat ou modifiées, améliorées à la marge. Je veux saluer le travail de la Haute Assemblée. Je veux d'ailleurs saluer le travail de la Haute Assemblée quand elle a rétabli les parties 1 et 2 du texte, que j'espère nous pourrons adopter contrairement à la première lecture. Mes chers collègues, en première lecture, malheureusement, l'usage du 49.3 a réduit notre capacité à débattre. Et je veux saluer les beaux débats que nous avons eus en commission des affaires sociales dans cette nouvelle lecture, qui ont, je crois, permis de travailler, d'enrichir le texte et d'avoir des débats importants pour les Français. Je veux notamment penser à celui de la santé et de l'accès aux soins. Ayons ce débat. Ayons ce débat dans le texte proposé par le gouvernement. Il y a à l'article 22 l'ouverture au conventionnement sélectif. Et je reprendrai l'expression de Madame la rapporteure générale en parlant d'une disposition qui a tout l'air d'un beau bonbon qui donne envie, mais qui a un goût atroce quand on le mange. Je le répète, le conventionnement sélectif, c'est injuste et inefficace. Peut-être si nous avons le temps de débattre de ces sujets-là dans les heures et les jours qui viennent, nous pourrons débattre d'un amendement que nous proposons faisant suite aux engagements de campagne que nous avons pris, mettant en place une autorisation d'installation pour les médecins. Peut-être nous en débattrons, chers collègues. Cela étant dit, nous voulons saluer les 543 millions d'euros supplémentaires annoncé par Monsieur le ministre pour l'ONDAM 2022. C'est absolument essentiel. Saluer aussi le fait qu'il n'y a pas de mesures d'économie sur l'hôpital pour l'année prochaine. Mais je crois que nous devons malgré tout engager une réflexion et un travail en commun. La France est le pays qui met le plus d'argent de son PIB dans les dépenses de santé. Pour autant, notre système va mal. Nous avions présenté un plan de refondation Ma Santé 2022 qui permettait de réorganiser le système de santé. Il nous appartient de finir de le mettre en œuvre, de prendre les décrets. Merci, et d'investir ministre. Encore dans la médecine de ville. Je vous remercie. Nous soutiendrons ce PLFSS. La parole est à Madame Garin du groupe écologiste. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de Commission, Madame la rapporteure, chers collègues.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale, le retour. Après un premier 49-3, un passage au Sénat qui a grosso modo ajouté une réforme des retraites au rabais et supprimé l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM, nous voici de nouveau devant ce texte si important pour les Français et les Françaises. Nous en étions déjà déçus lorsqu'il a été présenté il y a quelques semaines et nous le sommes évidemment encore plus aujourd'hui. J'ai envie de dire que nous espérons que nous pourrons cette fois-ci discuter sereinement et jusqu'au bout nos propositions. Mais on ne va pas se mentir, en termes de confiance, c'est une évidence, les 49-3 en pagaille laissent des traces. Et pourtant, vu l'actualité, il semblerait que les débats, notamment par exemple sur les sujets de santé ou du travail, méritent toujours plus leur place et le temps nécessaire dans notre hémicycle. Le week-end dernier, 31 enfants ont été transportés hors de l'Île-de-France en raison de la saturation des services de réanimation pédiatrique dans les hôpitaux franciliens. On parle alors de bébés séparés de leur famille, d'enfants hospitalisés dans des bureaux pour éviter qu'ils ne restent dans le couloir, de prématurés renvoyés chez eux plus tôt que ne le préconisent les recommandations. Et tout cela est dû à quoi ? À l'épidémie de bronchiolite qui revient pourtant chaque année. L'actualité regorge d'exemples du même titre, et vous l'avez dit, monsieur le ministre, et j'en conviens, il n'y a pas de baguette magique. Mais en matière de santé, le gouvernement continue dans sa logique austéritaire, puisqu'il défend un objectif national de dépenses d'assurance maladie de seulement 3,7%, alors qu'il faudrait au moins 4,4% pour répondre à l'évolution normale des dépenses. Vous annoncez 500 millions en plus. Mais quand on ajoute 500 millions en plus pour tenir compte du surcoût Covid, on ne parle toujours pas d'investir par exemple massivement dans la santé environnementale, notamment pour éviter les prochaines zoonoses ou faire diminuer le nombre de morts de la pollution de l'air chaque année. Je le rappelle, c'est 40 000 en France aujourd'hui. Le groupe écologiste et la NUPES avaient déjà proposé plusieurs avancées en la matière et aussi pour répondre d'abord à l'urgence dans les hôpitaux, mais aussi dans les déserts médicaux qui semblent concerner toujours plus d'endroits en France d'année en année, sans toutefois penser qu'obliger les étudiants en médecine générale à faire une quatrième année d'internat soit une solution. Nous avons aussi fait des propositions sur la santé des femmes et sur l'égalité de manière générale. S'agissant de la branche famille, nous sommes très inquiets. Le gouvernement choisit de ponctionner un excédent de 2 milliards d'euros au titre d'un transfert de charges avec l'assurance maladie. Mais la branche famille ne peut pas être une variable d'ajustement des comptes sociaux. Pas aujourd'hui, et surtout pas à l'heure de la crise que traverse le secteur de la petite enfance. On le constate partout en France. Pénurie de personnel, dégradation des conditions d'accueil des enfants, parents en tension. Emmanuel Macron avait pourtant promis un droit opposable au mode de garde. Mais pas dans ce texte, apparemment. Puisque, par exemple, vous avez refusé notre amendement qui proposait la création de 500 000 places de garde pour un véritable service public de la petite enfance, et il n'a pas été retenu. Et derrière la question du mode de garde, comme derrière celle du congé parentalité obligatoire, du congé fausse couche, de l'aménagement du temps de travail pour les femmes enceintes, donc toutes ces propositions que nous avions faites sur ce texte ou sur celui du budget qui ont été rejetées, il y a un enjeu d'égalité réelle pour tous et toutes. Dans le texte du gouvernement, rien non plus sur les accidents de travail, alors même que la France se place dans les derniers de l'OCDE. Et je sais que ma collègue Sophie Taillé-Polian fera des propositions à ce sujet qui, j'espère, retiendront votre attention. À l'évidence, nous opposerons à l'ajout de l'article 37 qui prétend réformer notre système de retraite en catimini, parce que très franchement, cela n'est pas sérieux. La droite sénatoriale et peut-être bientôt le gouvernement choisissent les économies sur le dos des travailleurs, le tout sur des prévisions à l'horizon post-2032 dont la réalité reste incertaine. Ne foncez pas tête baissée vers des solutions qui pourraient apparaître faciles et que personne ne veut, si ce n'est ceux qui sont déjà à la retraite, vers des débats manichéens prémâchés. Ayez le courage d'un examen rigoureux des solutions possibles et ayez peut-être même la sagesse de changer d'avis, même si nos visions du travail sont pas forcément conciliables, puisque je le rappelle, nous pensons que le travail doit être à la juste place et ne pas prendre toute la place ou toute la vie. Enfin, au lendemain de la Journée mondiale contre les violences faites aux enfants, j'aimerais rappeler qu'en 2021, le 119 a recensé en France 43 260 enfants en situation de danger. Violence psychologique, violence physique, violence sexuelle, la maltraitance tue un enfant tous les 5 jours. Chers collègues, je compte sur vous pour que des avancées significatives soient adoptées dans ce PLFSS si nous avons le luxe de l'étudier et tout au long de ce mandat. Nous avons eu peu de succès dans la loi de programmation du ministère de l'Intérieur étudiée la semaine dernière et je veux croire que nous pouvons trouver une majorité pour lutter contre les violences faites aux enfants et enfin faire baisser ces chiffres alarmants qui, en toute franchise, nous font honte. Je vous remercie. Merci, Madame Garin.
La parole est à Monsieur Daréville du groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers et chers collègues, c'est encore le jour de la marmotte. Et contrairement au présentateur du film Un jour sans fin, vous n'apprenez pas, mesdames et messieurs du gouvernement. Dans ce jour qui passe et repasse, votre rôle ne change pas. Vous présentez toujours un peu la même feuille de route, vous tenez toujours aussi peu compte des objections, vous faites toujours si peu de concessions, vous vous affranchissez toujours autant du réel, vous méprisez toujours autant le Parlement, vous dégainerez avec toujours autant de satisfaction, sans doute, l'article 49.3 pour imposer votre loi. Vous nous réunissez donc ici pour faire semblant, pour faire joli, pour faire mumuse. Et alors que vous voulez nous réduire à l'impuissance ici, vous poussez le vice à nous convier par ailleurs à prendre part à la mise en scène de réunions locales d'un prétendu Conseil national de la refondation pour mimer l'ouverture d'esprit. Les effets de ce décalage entre l'affichage et les intentions sont désastreux. On ne saurait vous reprocher de discuter, à condition que la discussion soit sincère et qu'elle ne procède pas d'une instrumentalisation politique des participants. Lorsqu'elle est venue annoncer le premier 49.3, Madame la Première ministre a vanté à plusieurs reprises, pour s'en convaincre peut-être, un budget de progrès social. Si ce n'était pas dramatique, on s'esclafferait. L'ONDAM, qui fixe le niveau de l'investissement dans la santé et la protection sociale, était de 245,9 milliards d'euros en 2022. C'était insuffisant. Il est fixé à 244,1 milliards d'euros pour 2023 dans votre première version. Il est donc en baisse nette de 0,8% et vous ne l'assumez pas. Vous avez donc inventé un redécoupage avec un budget crise et un budget hors crise, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et même si on reprend les chiffres de votre tripatouillage, la progression affichée de 3,7% est inférieure à la hausse tendancielle des besoins en santé qui est habituellement estimée à au moins 4%. Votre chiffre est même en dessous de l'inflation, au moins 4,3% pour 2023, quand elle était à 0,9% par exemple en 2019, le décalage est énorme. Sans compter que l'année qui vient doit encore être une année de rattrapage des soins annulés ou reportés pendant la crise. Je note les rallonges annoncées, Monsieur le Ministre, dans votre intervention liminaire, qui me font dire que le budget que vous nous aviez vendu comme étant extraordinaire en première lecture ne l'était peut-être pas tant que cela, mais elle ne modifie pas les équilibres et les structures. Vous proposez des mesures dont certaines sont bonnes, comme par exemple la prise en charge intégrale de la contraception, d'autres sont insuffisantes, d'autres mal ou pas discutées, d'autres encore carrément contestables. Mais surtout, votre budget brille parce qu'il ne contient pas de véritables mesures contre les déserts médicaux, un nouveau souffle pour l'hôpital public, des dispositions anti-marchandisation de la santé, des dispositifs de lutte contre les inégalités de santé. L'UNICEF a encore dénoncé hier leurs conséquences pour les enfants. Une action pour un pôle public du médicament et pour empêcher les pénuries, un élargissement de la prise en charge sécu, que ce soit pour la santé ou pour l'autonomie, des offensives contre les maladies professionnelles et les accidents du travail, etc. Pour cela, il faudrait arrêter la foire annuelle aux exonérations de cotisations. Les chantiers sont immenses et votre projet est tout rikiki. Il crée les conditions de nouvelles restrictions de droits. Le Sénat est passé par là. Il a pour l'essentiel aggravé les choses. Il vous pousse dans des directions où vous voulez aller. Je pense notamment à cet amendement qui vise à repousser de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite pour allonger la durée de travail et de cotisation. Un bien beau coup de main dans votre opération de préparation du terrain pour une régression sociale majeure. Alors vous allez dire d'un air magnanime, non, mais nous préférons aller d'abord au bout des consultations, sachant que là aussi, tout ce que vous faites ne sert qu'à emballer votre mauvais projet. Sous nos yeux, avec les Républicains, vous jouez donc nos retraites à « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Vous avez sagement renoncé à la vilaine réforme précédente. Vous devriez envisager de faire de même avec celle-ci et remiser aux oubliettes votre acharnement insensé à sabrer dans le droit à la retraite comme si c'était une solution à quelque problème que ce soit. Nous sommes au cœur d'une crise politique préoccupante. Le pays ne vous a pas donné de majorité absolue et ni le président ni son programme n'ont été plébiscités dans les urnes. Vous devez regarder cette réalité en face. Les projets les plus clivants, ceux dont vous savez qu'ils n'ont pas de majorité populaire, votre responsabilité est de ne pas les conduire. Alors, vous vous grandiriez et vous apporteriez du baume à la démocratie.
Ceci étant dit, il faut être clair, ne faites pas de ce jour de la marmotte également celui du hamster dans sa roue. Soit vous renoncez au 49-3 et nous travaillons, soit vous abrégez cet épisode d'irrespect parlementaire et, mesdames et messieurs les ministres, faites votre office. Alors, de cette discussion factice, sortira une loi de financement illégitime. Merci, monsieur Daréville. La parole est à monsieur Lenormand du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoires. Bien, madame la présidente, madame, messieurs les ministres, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, c'est une étrange sensation que de reprendre les débats sur ce projet de loi de finances de la sécurité sociale adopté à l'Assemblée nationale sans vote, après des discussions trop rapidement interrompues par le recours au 49-3. Mais qui dit nouvelle lecture dit une nouvelle occasion d'aborder enfin des sujets essentiels pour nos concitoyens. Qui dit aussi nouvelle lecture dit aussi nouveau 49-3, monsieur le ministre, avec une question, quand sera-t-il activé ? Toutefois, nous voulons mettre à profit ce temps, avant que le couperet ne tombe, pour redire les insuffisances de ce texte. Un texte sur lequel les attentes sont chaque année immenses et les réponses insuffisantes. Alors il faut être honnête, un projet de loi de financement de la sécurité sociale ne peut à lui seul combler les lacunes de notre système de santé, lacunes accumulées depuis de nombreuses années. Mais les leçons de la crise du Covid ne sont pas suffisamment tirées. Les prévisions de dépenses en hausse ne combleront pas l'inflation qui mine nos établissements de santé dans leur fonctionnement courant, mais aussi dans leurs projets d'investissement. Ces provisions de dépenses contrastent aussi avec les dépenses liées au Covid ces dernières années. 1 milliard d'euros est prévu en 2023 contre 11,5 milliards l'an dernier. Est-ce que ce sera suffisant pour que nous anticipions mieux nos besoins ? Et je pense ici avec quelques exemples, notamment au niveau des médicaments. C'était le paracétamol hier, c'est aujourd'hui l'amoxicilline. Il est urgent d'empêcher ce genre d'errements. Mais depuis la première lecture, le gouvernement a annoncé dans l'urgence des rallonges budgétaires pour nos services de pédiatrie submergés par l'épidémie de bronchiolite. Mais ces difficultés sont structurelles et pas seulement liées à la vigueur de l'épidémie. Les réponses, elles, sont conjoncturelles. Aussi, nous le redisons, au-delà de ces enveloppes d'urgence, il nous faut une stratégie de financement pluriannuel pour nos établissements. Cette stratégie doit aussi avoir pour priorité la lutte contre la désaffection pour les métiers du soin et de l'accompagnement. Or, pour la première fois depuis le Ségur de la santé, nous ne trouvons aucune mention des revalorisations salariales. Alors même que les oubliés du Ségur, ils sont encore beaucoup trop. Notre groupe d'ailleurs défendra un nouvel amendement sur ces personnels exclus de ce Ségur. Nous redisons également notre incompréhension de voir que dans les EHPAD, seuls 3000 postes sont prévus pour 2023. C'est moins d'un demi-poste par établissement. Nous proposions d'en financer au moins 7500, soit un par établissement. Il faudra donc faire bien davantage sur le volet autonomie. Les questions liées au handicap sont à peine effleurées. Et au-delà de mesures bienvenues sur le contrôle des EHPAD, le sujet crucial du financement de la branche autonomie est encore remis à plus tard. Cette branche continuera donc d'être une coquille vide que nous connaissons et insuffisante à garantir les 6,5 milliards d'euros pour améliorer la prise en charge de nos aînés et des personnes en situation de handicap à l'horizon 2024. Je veux dire aussi un mot sur les bonnes idées de ce projet, notamment sur le volet prévention qui est considérablement renforcé. Il en est de même aussi pour la quatrième année de médecine générale. Mais comment garantir de bonnes conditions pour nos internes alors même que les maîtres de stage sont difficiles à trouver ? Nous saluons aussi un certain nombre de propositions transpartisanes qui ont été adoptées, comme l'organisation de consultations sur les territoires sous-dotés. Mais il faudra aller plus loin, notamment sur la pratique avancée et la délégation des tâches. Enfin, comment ne pas aborder le sujet de nos retraites alors qu'une réforme se prépare. Nous continuons tout d'abord à nous opposer au transfert du recouvrement des cotisations de retraite aux URSSAF au lieu et place de la GIRARCO. Non seulement vous avez fait le choix de ne pas respecter cette décision qui est soutenue sur une grande partie de ces bons, mais en plus vous donnez de nouvelles missions aux URSSAF.
Tout cela en dépit des alertes que nous vous avons formulées sur la pérennité du système des retraites complémentaires. Ensuite, notre groupe réitère son refus de voir passer une réforme de retraite au sein d'un PLFSS. Et j'insiste pour la suite. Ce débat sur les retraites mérite bien plus et ne doit pas être uniquement comptable. Cela demande du temps, de l'écoute et du dialogue. Ne nous précipitons pas sur une réforme aussi majeure pour nos concitoyens, qui doit avoir pour maître mot la justice sociale et la réduction des inégalités. Cela vaut d'ailleurs pour tout notre système de sécurité sociale et donc pour ce texte. Qui dit nouvelle lecture dit nouvelle tentative d'améliorer ce texte. Dans un esprit d'opposition constructive, nous nous y efforcerons. Merci. Merci, Monsieur Lenormand. La parole est à Madame Iborra du groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues, nous voici arrivés en deuxième lecture de l'examen du PLFSS pour 2023 dans une configuration inédite, mais qui n'a cependant pas évité des débats, certes qui auraient pu aller plus loin, mais vous, mes chers collègues de l'opposition, vous ne nous aviez prévenus que, quoi qu'il en soit, vous ne voteriez pas le texte. Fallait-il aller jusqu'au bout de l'examen et vous remercier finalement de le rejeter ? Nous avons entendu cependant vos regrets, certes, un peu tardifs, mais excusez-nous, peu crédibles. Vous pouvez cependant reconnaître avec nous la progression importante de l'objectif global des dépenses médico-sociales de 725 millions pour le handicap et de 740 pour les personnes âgées. Mais plus que des chiffres, ce sont des actions que nous déclinons dans ce document budgétaire en sachant qu'il faudra aller plus loin. Le contexte démographique, social, sociétal nous l'imposera, alors que nous avons enfin créé cet outil tant attendu depuis longtemps, la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Au-delà du médico-social, le texte traite du volet désert médical et met en place des mesures organisationnelles nouvelles qui concernent sur les territoires tous les professionnels, médecins, étudiants en médecine et tous les professionnels en charge chacun à leur niveau de la santé des Français. L'accès aux soins ne peut être assuré uniquement par les établissements publics, il doit l'être également par la médecine de ville pour répondre à la demande légitime de nos concitoyens. La formule coercitive et autoritaire, nous le savons, pourra pénaliser autant les professionnels que les malades quand il s'agit de déconventionnement. Transformer les médecins libéraux en médecins salariés, comme ceci se fait dans la région Occitanie, n'augmentera pas leur nombre pour autant. La solution est bien pour le moment le partage des compétences et la présence partagée entre le public et le privé sur chaque territoire, solution à laquelle nous avons travaillé dans ce PLFSS. En conclusion, il nous appartient de faire connaître et de faire vivre ce projet de loi dans ses mesures concrètes, au-delà des masses budgétaires qui y sont attribuées. C'est finalement cela qui intéresse nos concitoyens, bien au-delà du 49-3, et c'est cela que nous leur devons. Je vous remercie. Merci, Madame Iborra. La parole est à Madame Mélin, du groupe Rassemblement National. Merci, Madame la Présidente. Madame, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale, cette deuxième lecture du PLFSS 2023 est l'occasion de deux bonnes surprises. La première, de constater que le Sénat et sa majorité politique ont enfin été frappés par la grâce et a tenté de stopper par de nombreux et parfois excellents amendements le processus d'endettement de nos comptes sociaux et la balkanisation de la profession médicale.
processus qu'ils ont pourtant largement contribué à bâtir au fil des lois de santé, sur le socle du numerus clausus voulu par Raymond Barre. Des réseaux d'Ousteblasie aux ARH et la régionalisation Bachelot, de l'ONDAM de Juppé à la délégation de tâches envisagée par Sarkozy, ou le report permanent de la maîtrise des retraites, nombreux sont les axes dans lesquels la droite au pouvoir s'est fourvoyée. Deuxième bonne surprise, le soutien que vous apportez à une belle filière de dispositifs médicaux, celui du sparadrap. Sparadrap cache sincérité des comptes 2021, malgré les recommandations de la Cour des comptes. Sparadrap cache réalité sur la projection des comptes 2022, déjà très bousculés par l'inflation, et 2023 encore plus imprévisible, particulièrement quant à votre calcul de l'ONDAM, avec des approximations et jeux de bonnes taux pour limiter le déficit une fois de plus majeur de la branche maladie aux dépens de la famille ou de l'accident de travail. En revanche, comme le veut le rituel du PLFSS, vous profitez de la partie dépenses pour formater un peu plus, selon une démarche initiée depuis 60 ans, de planification, privatisation, financiarisation, notre système de distribution de soins, selon les souhaits des grands groupes privés, futurs gestionnaires du système de santé, tel que cela est prévu depuis longtemps. Un marché à l'européenne, à la concurrence libre et non faussée, bien entendu. Non faussée, bien sûr, comme cette pénurie artificielle des médecins que vous aggravez avec la quatrième année de médecine générale. En effet, dans le même temps où vous libérez le numerus clausus, vous rajoutez une année d'études de plus, alors que les déserts médicaux touchent 83% de notre territoire. Et cela en empêchant des étudiants qui cumulent déjà 9 ans d'études de pratiquer plutôt le même travail que vous autorisez à des infirmières et des kinésithérapeutes au bout de 5 ans seulement. Car soyons clairs, tel que défini actuellement, le transfert de tâches des IPA concernant donc les urgences bénignes et le suivi des pathologies chroniques stabilisées, c'est 70 à 80% de l'activité d'un généraliste. Alors bien sûr, il faut que toutes les professions évoluent et les assistants médicaux étaient attendus depuis longtemps. Nous disons oui au partage de tâches, non au transfert de toutes les tâches. D'autant plus que le temps de chacun est déjà compté. Combien d'infirmières se culpabilisent de faire des toilettes ou des soins trop rapidement ? Combien de kinésithérapeutes souhaiteraient accepter des domiciles pour faire de la rééducation à la marche de nos aînés ? Mais c'est toujours pour eux le même problème de flicage des profils et des cotations trop basses pour assurer un travail serein et en équipe. C'est aussi ce que vous aggravez par une décote pérenne des actes de biologie et d'imagerie médicale. Nous disons non à une médecine low cost. Et toujours comme le veut le rituel du PLFSS, la branche retraite et surtout les retraités servent de variable d'adaptation au déficit. Vous imposez, je le redis, à nos concitoyens, souvent grands-parents, de travailler 1607 heures, un an, deux ans, trois ans de plus, pour combler l'absence de cotisation de leurs petits-enfants qui, bon gré mal gré, tardent à travailler. C'est bien votre décision qui les contraint, selon la pénibilité du travail, à être pour la moitié d'entre eux en arrêt maladie puis en invalidité. Mais peu importe, puisqu'ils ne perçoivent pas un centime du système de retraite. Les comptes sont saufs. Pour nous, il est tout à fait possible de ne pas reculer l'âge de la retraite et en même temps de réindexer les retraites sur l'inflation. En passant, vous vous autorisez à faire main basse sur les retraites complémentaires obligatoires par le prélèvement des cotisations Argir-Carco par les URSSAF, en préparant ainsi un déséquilibre majeur d'un des rares dispositifs qui, même s'il oubliait de réévaluer la valeur du point, fonctionnait harmonieusement. Dans votre déni démocratique du vote du 19 juin 2022 et du 49-3 qui se profile, quelle place minimale allez-vous donner à la discussion ? En tout état de cause, notre groupe Rassemblement national combattra vigoureusement vos dérives. Je vous remercie. Merci Madame Mélin. La parole est à Madame Ménard. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres,
Madame le rapporteur, chers collègues, les sénateurs ont eu la chance de pouvoir mener des débats complets sur ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale après un examen tronqué à l'Assemblée nationale pour cause de 49-3. Ils ont ainsi voté un texte amendé sur de nombreux points, souvent plus abouti et, me semble-t-il, plus positif. Des recettes fiscales nouvelles ont ainsi été intégrées, notamment en faveur de l'assurance maladie et de la branche vieillesse de la Sécurité sociale. Les sénateurs ont par exemple mis à contribution plus fortement les mutuelles en exigeant une contribution de 300 millions d'euros l'an prochain, soit le double du montant envisagé par le gouvernement. En revanche, l'effort exigé des laboratoires, après des revenus records liés aux tests Covid-19, est désormais limité dans le temps, à savoir la seule année de 2023. Votre projet de loi prévoyait au contraire une baisse pérenne de cotation des actes de biologie médicale non liés à la Covid-19, à défaut d'accord avant le 1er février 2023 entre l'assurance maladie et les biologistes médicaux. Problème, cette diminution du remboursement des actes de biologie aurait affecté tous les laboratoires, quelle que soit leur taille ou leur activité. Autre modification et non des moindres, le transfert de l'activité de recouvrement des cotisations de retraite complémentaires des salariés du privé, Agirc-Arrco, vers l'URSSAF, a été retiré par les sénateurs. Une mesure qui concerne plus de 20 millions de salariés du privé et contre laquelle l'Agirc-Arrco s'était inquiétée, dénonçant un très fort risque de captation de ces ressources, soit environ 87 milliards d'euros de cotisations. S'agissant des déserts médicaux, les sénateurs ont adopté, en le modifiant à la marge, le principe d'une année supplémentaire au diplôme d'études spécialisées de médecine générale, durant laquelle les internes seront en stage de pratique ambulatoire, c'est-à-dire en médecine non hospitalière, sous un régime d'autonomie supervisée. Ces stages devront s'effectuer en priorité dans les territoires en situation de désert médical. Pourtant, et vous le savez bien, cette réforme heurte de nombreux internes et cela fait plusieurs semaines maintenant qu'ils se mobilisent contre votre projet. En cause notamment le manque de maîtres de stage universitaires pour les superviser et les encadrer. L'Association nationale des étudiants en médecine de France juge cette mesure, je les cite, « préoccupante, déroutante, inquiétante et aberrante » et estime qu'il s'agit ni plus ni moins d'un déguisement pour une année d'exploitation supplémentaire des internes, tant au niveau pédagogique que financier. Avouez que pour faire accepter votre réforme, c'est plutôt mal parti. En revanche, j'aurais souscrit à la proposition du Sénat d'exonérer les médecins retraités éligibles au cumul emploi-retraite de cotisation de retraite en cas de reprise d'une activité de médecine libérale, et même de l'élargir à d'autres professions médicales. Quand 47% des médecins ont plus de 55 ans et que les départs en retraite s'accélèrent, il faut absolument que nos médecins trouvent un avantage à rester en activité. J'ajoute qu'il faut absolument réformer le numerus apertus mis en place pour remplacer le numerus clausus. Si vous n'augmentez pas le nombre de places disponibles dans les universités de médecine, cette mesure n'aura qu'une efficacité très relative. Autre point positif de la part du Sénat, il a décidé de renforcer les modalités de contrôle et de sanction des autorités publiques sur les EHPAD. Reste maintenant à donner de réels moyens à ces autorités pour qu'elles puissent effectivement, concrètement, exercer leur nouvelle mission. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas conclure mon propos sans aborder le volet antifraude sociale de ce projet de loi de finances de sécurité sociale. Si je salue évidemment l'avancement au 1er juillet 2023 de la mesure d'interdiction de verser des allocations et des prestations sociales sur des comptes qui ne seraient pas domiciliés en France ou dans la zone CEPA, je regrette que certains amendements proposés par le Sénat et destinés à muscler la lutte contre la fraude aient été retirés, et notamment celui qui exigeait que les droits d'une personne faisant l'objet d'une OQTF soient immédiatement suspendus, sauf cas d'urgence médicale. Par ailleurs, votre gouvernement s'est engagé à mettre en place un comité indépendant d'évaluation de la fraude aux prestations sociales. Enfin, comme pour le numerus clausus, cela fait des années que nous vous le demandons. Cela dit, reste évidemment deux questions finalement assez simples. Quand allez-vous de nouveau recourir à l'article 49.3 et quelles dispositions retiendrez-vous de nos propositions? Car si tout est écrit d'avance, expliquez-moi pourquoi faire semblant ici de débattre. Je vous remercie. Merci Madame Ménard. J'appelle maintenant les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte identique. Article liminaire, amendement numéro 847.
Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Il s'agit avec cet amendement à l'article liminaire d'ajuster les tableaux, les agrégats de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour tenir compte d'un débat que nous allons avoir sur l'article 4 concernant l'ONDAM et par avance pour le rehausser, pour tenir compte des annonces qui ont été faites par le ministre de la Santé d'un rehaussement d'environ 500 millions d'euros de l'ONDAM pour permettre aux établissements de santé, pour amortir le coût pour les établissements de santé de l'inflation et des surcoûts Covid pour 2022. Il vous est donc proposé de modifier ainsi l'article liminaire. Je rappelle que l'article liminaire est une disposition qui a été introduite par la proposition de loi organique de Thomas Mesnier qui fait en sorte que le gouvernement désormais rende compte à l'Assemblée nationale, au Parlement, des grands agrégats du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Dès lors, si lors de nos débats sur l'ONDAM à l'article 4, nous devions le rehaussement de l'ONDAM devait être différent que celui que nous allons vous proposer, cet article aurait vocation à être modifié, mais j'insiste sur la nécessité de le voter puisque c'est un article par lequel le gouvernement rend compte au Parlement des grands agrégats du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Merci Monsieur le Ministre. Avis de la Commission, Madame la Rapporteure. Favorable. Merci. La Commission ne s'est pas prononcée sur cet amendement, donc à titre personnel favorable, pardon. D'accord. Je vous remercie. Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. L'année dernière, lors du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, on n'a pas eu de cesse de vous dire que c'était insuffisant, qu'il faudrait de nouveau rectifier, que l'ONDAM n'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'on a pu entendre à la France insoumise et contre les gros efforts du gouvernement? Ben voilà. Voilà les gros efforts. Les années d'après, il faut remettre parce qu'il n'y avait pas assez. Et cela prouve donc que nous avions raison dès le départ. Quand vous entendrez qu'on n'est pas là en posture pour vous ennuyer, mais que lorsqu'on vous dit que votre PLFSS est insuffisant, c'est qu'il est insuffisant. Et vous libéreriez un petit peu, vous aimiez ça avant les énergies et l'argent, ça permettrait aux établissements de souffler et de ne pas avoir à rectifier, d'autant plus que là nous avons l'amendement rectificatif qui arrive sans rapport, sans pièce jointe annexée pour vérifier si c'est suffisant ou pas. Je vous remercie. Nous allons partir sur un pour, un contre. Y a-t-il un orateur pour qui souhaite s'exprimer? Non. Mais non, je suis désolée. Donc je vais mettre aux voix. Allez-y, Monsieur Vigier. Merci Madame la Présidente. Moi je voudrais remercier le ministre Jean-Noël Barrot qui vient épauler son collègue François Braun. Voilà une belle annonce. Je suis un peu surpris, Jérôme Guesch, que vous ne dites rien. On ne vous demande pas d'applaudir de demain, mais si Caroline Fiat s'est très bien exprimée, mais vous avez tellement été présent tout à l'heure dans le débat liminaire que sur un article liminaire, je pense qu'il ne faut pas bouder le fait que, écoutez, on met 500 millions d'euros sur la table. Moi, j'avais été de ceux qui avaient dit, lorsqu'il y a eu la première lecture, qu'il fallait aller plus loin. Mais voilà déjà un pas que nous accomplissons. Au moins, partageons ensemble un bon moment. Alors, bravo, Monsieur le ministre, et merci d'être venu nous annoncer cette bonne nouvelle. Merci, Monsieur Vigier. Donc, je vais mettre aux voix donc, l'amendement 847. Je rappelle que la Commission ne s'est pas prononcée et que le gouvernement est pour. Donc, qui est pour cet amendement? Qui est contre? Adopté. Nous abordons la première partie du projet de loi concernant les dispositions relatives à l'exercice 2021. Article 1er, Monsieur Bazin. Madame Mélin. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Madame la Rapporteure Générale, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues. Cet article 1er de ce PLFSS retrace les résultats de la gestion pour 2021. Nous pourrions évoquer cette mauvaise gestion, mais le temps est limité, seulement 2 minutes. Espérons que la réforme engagée par l'ancien rapporteur général, Thomas Mesnier, permettra dès l'année prochaine qu'on puisse examiner, évaluer, contrôler la gestion budgétaire beaucoup plus tôt
de la Sécurité sociale dès l'été 2023. Cela étant dit, la Cour des comptes a émis une appréciation, monsieur le ministre, particulièrement sévère quant à l'exactitude des comptes du régime général, dont elle a refusé la certification des comptes de la branche recouvrement. Ce refus correspond à l'affirmation par le certificateur de l'inexactitude des comptes 2021 que vous nous soumettez. Vous avez majoré, par erreur, de 5 milliards d'euros les produits de 2021, alors qu'il s'agit de cotisations dues par les travailleurs indépendants au titre de 2020 et non 2021. Cela vient réduire de manière exagérée le déficit. Ainsi, en réalité, le déficit ne s'est pas réduit de 13,4 milliards entre 2020 et 2021, mais de seulement 3,4 milliards d'euros. Pourquoi persistez-vous à ne pas respecter les normes comptables applicables à cet exercice 2021? Pourquoi persistez-vous à donner une image infidèle du déficit du régime général en 2021 et de son évolution entre 2020 et 2021? Monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, ces comptes 2021 tels que vous les avez présentés sont inexacts et donnent au Parlement une image faussée de l'exercice 2021. Le Sénat, fort heureusement, l'a corrigé. Tant mieux, conservons leur version. C'est la raison pour laquelle je vous invite, madame la rapporteure générale, à retirer votre amendement de rétablissement de la présentation faussée initiale du gouvernement. Sinon, nous nous y opposerons. Merci, monsieur Bazin. La parole est à madame Mélin du groupe Rassemblement national. Merci, madame la présidente. En ne retenant pas l'amendement du Sénat qui prévoyait de rectifier de 5 milliards l'équilibre général des comptes, comme demandé par la Cour des comptes, sans pour autant voter cet article, nous aurions pensé que vous étiez dans le consensus, dans le compromis, tel que répété à l'envi par madame la Première ministre. Mais vous l'avez retiré, accélérant un peu plus le moment du 49-3 par un grave déficit de démocratie. Et cela sans prendre en compte non plus les 5 autres motifs assez graves de la Cour des comptes lorsqu'elle a refusé de certifier le recouvrement. Vous ne pouvez pas vous exonérer des jugements de la Cour des comptes. C'est de toute façon ce que nous vous répétons aujourd'hui. C'est ce que nous vous répéterons sans doute de nombreuses fois. Merci, madame Mélin. Amendement numéro 413. Madame la rapporteure. Merci, madame la présidente. Alors cet amendement, effectivement, vise à rétablir l'article 1er qui établit les comptes de l'année 2021 ainsi que l'ONDAM pour cette même année dans la version qu'on avait adoptée à notre commission. Pour vous répondre, monsieur Bazin, madame Mélin, si on reprenait la version du Sénat, on aurait une forme complètement insincère puisqu'ils ne reprennent pas les comptes 2020 qu'il devrait normalement. Donc, on est, bien sûr, je maintiens cet amendement qui a été adopté par la Commission. Merci, madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Oui, monsieur le député, il s'agit là, effectivement, d'une différence d'appréciation comptable entre la Cour des comptes et le gouvernement. Le gouvernement considérant habituellement que les recettes sont enregistrées l'année où elles sont collectées. Et dans la mesure où les cotisations ont été collectées en 2021 plutôt qu'en 2020, l'État a fait comme d'habitude, le gouvernement a fait comme d'habitude, il les a enregistrées pour 2021. Mais madame la rapporteure a raison de dire que désormais, et la Cour des comptes ne se prononce pas sur ce point évidemment, étant donné que les comptes 2020 sont clôturés, si l'on peut dire, si nous n'enregistrons pas ces recettes, ces 5 milliards pour 2021, alors ils ne sont enregistrés nulle part. Il nous faut donc, dans un souci de sincérité, les enregistrer en 2021. Et c'est bien l'objectif de l'amendement de la rapporteure. C'est donc un avis favorable. Je vous remercie. Monsieur Bazin. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, je vous ai bien écouté. Sauf qu'on est dans une situation où la Cour des comptes a été très claire, il y a ce désaccord d'appréciation. Vous nous dites, et on peut le comprendre, ces 5 milliards qui sont en fait des cotisations dues au titre de 2020. Il faudrait les intégrer à 2020. Libre à vous de présenter des comptes rectifiés pour 2020. Mais aujourd'hui,
Alors vous me faites nom de la tête, monsieur le ministre. Je ne veux pas rallonger les débats. Je ne sais pas à quelle heure la première ministre arrive, mais... parce que je sens qu'il y a une accélération au perchoir. Mais on est sur un élément important. On est sur un élément important qui remet en cause, pour le coup, et elle le dit très clairement, la réduction telle que vous affichez du déficit. Si vous ne nous parlez pas d'un déficit qui a été réduit de 13 milliards, mais seulement 3 milliards, c'est beaucoup plus fidèle. Puisqu'on le voit bien, il y a eu un décalage, notamment de ce qu'ont dû les travailleurs indépendants, et ça fausse le déficit ainsi réduit. Et donc je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est posé. Peut-être qu'il faut faire évoluer notre manière de présenter les comptes sociaux, parce que parfois il y a des évolutions qui se posent chaque année, mais on ne peut pas nier le fait que la réduction du déficit telle qu'elle est affichée n'a pas été celle-ci. Il ne s'est pas réduit de 13 milliards, il s'est réduit de seulement 3 milliards en réalité. Et nous souhaitons voter la version du Sénat qui nous semble plus réelle, ce qui appellera du gouvernement une correction à l'article 2. Je vous le dis tout de suite, si l'amendement de la rapporteure générale n'est pas voté et qu'on vote l'article 1 dans sa version sénatoriale, il faudra profiter de la navette, monsieur le ministre, pour que vous corrigiez l'article 2 et peut-être en profiter pour corriger les comptes 2020. Merci, monsieur Bazin. Madame la rapporteure. Peut-être, monsieur Bazin, pourriez-vous être de toute bonne foi en précisant que la Cour des comptes dit aussi que les tableaux d'exercice présentés dans ce PLFSS donnent une image tout à fait cohérente des comptes 2021. On voit l'amendement numéro 413, et je rappelle le double avis favorable. Qui est pour cet amendement ? Qui est pour cet amendement ? Qui est contre ? Ah, je vais faire un scrutin public. Je vous remercie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Votant 93, exprimé 92, majorité 47, pour 45, contre 47. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous passons au vote de l'article 1er. Ah pardon, allez-y, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Simplement, on a le droit d'avoir des divergences sur le fond et de faire des propositions sur le fond, mais là, c'est évidemment une manœuvre de forme, puisque, je vous l'ai dit, monsieur le député, il n'est pas possible de modifier les comptes 2020. Ils sont clos, on ne peut plus les modifier. Et donc, ces recettes de 5 milliards qui, effectivement, ont été enregistrées en 2021, alors qu'ils étaient dus au titre de 2020, c'est comme ça, ils ne peuvent plus réintégrer les comptes de 2020. Et donc si nous ne les enregistrons pas au titre de 2021, là nous faisons preuve d'insincérité, parce que c'est 5 milliards de recettes qui n'auraient pas été enregistrées. Je regrette que cet amendement ait été adopté, parce qu'il ne fait pas tellement avancer le débat, et qu'une nouvelle fois, il rend le texte presque un peu plus insincère, au sens où vous le disiez, que si l'amendement de la rapporteure avait été adopté. Je vous remercie, monsieur le ministre. Donc, je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er ? Qui est contre ? Adopté. Je mets aux voix l'article 2 et l'annexe A. Qui est pour ? Il y a un inscrit. Ah, il y a un inscrit. Il y a monsieur Bazin. Pardon, il y a monsieur Bazin, excusez-moi. Oui, merci, madame la présidente. Désolé, on s'est inscrit parce que, justement, ça dépendait du vote de l'article 1 ainsi... j'allais dire maintenu dans sa version sénatoriale, c'est qu'en effet, et d'ailleurs le rapport du Sénat est très clair, vous avez raison, c'est que et madame la rapporteure a raison quand elle dit il y a une cohérence entre l'article 1 et l'article 2. Effectivement, si on corrige l'article 1, il faut corriger l'article 2, et le Sénat a appelé le gouvernement en disant il faudra revoir cet article 2 dans la navette pour le corriger, pour qu'il y ait une cohérence entre le tableau
et ce qui a été fait dans la main. Je vais vous le lire parce que vous en doutez, Madame la rapporteure. Il reviendra au gouvernement dans la suite de la navette de rectifier le tableau patrimonial figurant l'annexe A afin d'en assurer la cohérence avec la rectification des comptes de l'exercice 2021 à laquelle il aura été procédé à l'article 1er afin de tenir compte des observations de la Cour des comptes. L'avis de la Cour sur le tableau patrimonial lui-même appelle une telle correction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la sagesse sénatoriale. Et donc je pense, messieurs les ministres, si vous prenez le chemin d'un 49-3, vous avez encore quelques minutes, c'est que le texte qui engagera le gouvernement prenne en compte la correction du tableau à l'article 2. Vous pouvez faire une suspension de séance si ça vous permet de le corriger. Sur quel article ? Le prochain ? Sur l'article 2 ? Allez-y, monsieur Darrivin. Merci, Madame la Présidente. Simplement pour, à mon tour, éclairer la nature du débat que nous avons. Pour ce qui nous concerne, nous étions opposés au budget 2021. Vous nous demandez là, ici, de vous donner quitus. Bon, moi, il est très clair que je ne vous donne pas quitus. La question est de savoir si ce budget a été bien ou mal exécuté. D'abord, c'était un mauvais budget. Je ne vois pas comment il peut avoir été bien exécuté. En réalité, voilà la manière dont je vois les choses, pour vous les dire très clairement, monsieur le ministre. La deuxième chose que je souhaiterais, madame la présidente, c'est qu'on puisse, le cas échéant, lorsque c'est nécessaire, ouvrir un peu plus le débat pour avoir de véritables échanges et pas être dans une mécanique, simplement un pour un contre, qui fait qu'il n'y a pas de discussion, mais simplement une sorte voilà, de machine qui tourne, dans laquelle il n'y a pas de discussion parlementaire. Je crois qu'on en a besoin. Il y a des arguments qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon les bancs sur lesquels on s'exprime pour pouvoir adopter ou ne pas adopter un amendement. Voilà. Donc je me permets de vous faire cette demande, si vous voulez bien, lorsque ça se pose, de pouvoir ouvrir le débat, même si ce n'est pas systématique, j'en conviens. Merci, monsieur Darrivin. Donc maintenant, je vais mettre aux voix l'article 2 et l'annexe A. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Je vais mettre aux voix maintenant l'ensemble de la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Nous abordons maintenant la seconde partie du projet de loi concernant les dispositions relatives à l'exercice 2022. Article 3. J'ai un inscrit, M. Neuder. Non ? Monsieur Bazin ? Vous êtes pressé d'en arriver à la partie 3. Moi, je profite des quelques minutes de débat sur la partie 1 et la partie 2. Et je crois que c'est important qu'on puisse se dire les choses. Le contexte actuel est compliqué. Merci, Madame la Présidente, de nous permettre cette discussion générale sur cet article 3. L'inflation est élevée, la crise énergétique est bien présente. Des personnels ont même dû être recrutés dans les établissements pour faire face à l'absentéisme, dû notamment parfois au cas Covid ou au cas contact. Et dans ce contexte, l'importance de cette deuxième partie qui vise finalement à rectifier les moyens donnés à notre sécurité sociale pour 2022 est vraiment essentielle dans ce contexte actuel. Nous comprenons d'ailleurs que tous ces éléments ont entraîné une situation bien différente de celle qui était imaginée au moment de l'adoption du PLFSS 2022, où on nous expliquait qu'il n'y aurait plus du tout de crise sanitaire. Je vous rappelle, hein, monsieur le rapporteur général Thomas Mesnier de l'époque le sait bien, et donc on a eu le besoin justement d'attribuer des moyens supplémentaires. Vous les avez estimés à près de 9 milliards, on vous a dit que ce n'était pas suffisant, et vous nous avez traité de démagogique et j'en passe. Si on reprend les comptes rendus des débats en première lecture, on peut en faire état. Aujourd'hui, vous nous proposez des moyens supplémentaires. Tant mieux, ça va dans le bon sens, 500 millions. Il y a deux semaines, vous avez proposé au Sénat près de 600 millions supplémentaires. Ça fait plus de 1 milliard supplémentaires. C'est pas loin de ce que nous avions estimé comme nécessaire. Et donc, que de temps perdu pour nous écouter. C'est là où le Parlement doit retrouver sa place lorsqu'on vous alerte. La copie n'est pas encore parfaite. Il y a encore des corrections et je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse ensemble continuer à corriger le tir de manière à ce que l'ensemble des structures puissent finir l'année dans les moins pires conditions. La parole est à M. Darrivin. Oui, merci Madame la Présidente. Dans
la foulée de ce que vient de dire Thibaut Bazin, il faudrait retrouver le verbatim des échanges que nous avions eus à l'époque et mesurer ce que nous n'en avions pas entendu pour critiquer ces amendements qui visaient effectivement permettre aux établissements de santé de mieux terminer l'année et de faire face aux difficultés qui s'accumulent pour eux et les placer du coup en meilleure position pour la suite. Donc visiblement, vous avez fini par entendre un petit peu raison sur cet enjeu, mais cela étant dit, pour autant, on n'est pas au bout du compte. Il y a un amendement que je défendrai peut-être tout à l'heure s'il ne tombe pas dans la foulée sur cet article 3, sur lequel je voudrais attirer votre attention, puisqu'il avait été adopté par notre Assemblée lors de la première lecture. Amendement qui visait donc à remettre dans le budget de la Sécurité sociale 18,6 milliards d'euros qui donc avait été transféré par l'État à la CADES de dette Covid pour charger la Sécurité sociale de cette dette qui, en principe, devrait incomber à l'État, à la fois pour des raisons de bonne gestion de la dette, mais aussi pour ne pas faire supporter à la Sécurité sociale des charges qui ne lui incombent pas. Donc, je me permets d'attirer l'attention de notre Assemblée sur cet amendement en vous invitant à reproduire le même geste que précédemment, ce qui permettra de donner de l'air à la Sécurité sociale et d'éviter de lui faire porter des charges indues avec ces 18,6 milliards d'euros dont notre système de santé dans sa globalité et notre système de protection sociale ont largement besoin. Merci, Monsieur Dharréville. Nous passons donc aux amendements avec sous-amendement. Amendement numéro 414. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à adapter l'article 3 aux dernières évolutions de prévision en recettes et en dépenses. Et sous-amendement numéro 845. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Un sous-amendement pour compléter l'amendement de Madame la rapporteure, pour tenir compte du rehaussement de l'ONDAM suite aux annonces qui ont été faites par le ministre de la Santé. 500 millions d'euros pour amortir l'impact Covid sur les établissements de santé pour l'année 2022. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais mettre aux voix le sous-amendement numéro 845. Je rappelle l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Avis favorable. Je rappelle donc le double avis favorable, donc le sous-amendement 845. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Amendement numéro 414. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Amendement numéro 371. Monsieur Dharréville. Ah, il est tombé, pardon. Excusez-moi. Il est tombé, cet amendement. Donc, je vais mettre aux voix maintenant l'article 3. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Article 4. Monsieur Guedge. Oui, Madame la Présidente, nous en venons à l'article 4 sur lequel le gouvernement à présenter son amendement. Je voudrais d'abord vous dire, monsieur le ministre, que je m'étonne un petit peu, après à la fois la motion de rejet et la discussion générale que nous avons eue, de ne pas avoir eu, à un moment donné, une prise de parole gouvernementale pour participer de la réaction aux propositions, aux points de vue qui ont été exprimés et à certaines des interrogations. Donc je vais réitérer ici l'interrogation sur l'amendement que vous déposez. Je suis favorable, évidemment, à l'abondement de 543 ou 500 millions, enfin vous avez dit dans la presse que c'était 543 millions d'euros, pour la simple raison que c'est un amendement absolument comparable que nous avions déposé en première lecture en commission des affaires sociales. Ce faisant, ce rehaussement de l'ONDAM pour les établissements de santé ne saurait masquer deux choses. La première, et j'attends la réponse, puisque tout à l'heure, monsieur le ministre, je vous voyais dodeliner, de la tête de manière négative, je lis quand même dans votre amendement que la dotation pour les soins de ville passe de 107 milliards 300 millions à 107 milliards 200 millions. Il y a donc bien une baisse de la dotation des soins de ville en lien avec cet élément. Et donc, c'est bien la preuve qu'on peut baisser la dotation soins de ville pour augmenter la dotation hospitalière pour répondre à des enjeux. Alors vous allez nous dire que c'est parce qu'elle n'a pas été consommée à cette hauteur dans l'exercice 2022. Le deuxième point,
et nous l'aurons tout à l'heure sous forme d'un amendement, ce rehaussement dont nous vous disions en octobre qu'il était nécessaire, et le Sénat a déjà fait la moitié du chemin, puisqu'au total ce sera 1 milliard d'euros supplémentaires pour compenser l'inflation pour les établissements hospitaliers. En revanche, je m'étonne qu'il n'y ait rien pour les EHPAD, dont nous savons, beaucoup d'entre nous, qu'ils souffrent considérablement dès 2022 pour boucler leur budget, des conséquences de l'inflation, des conséquences aussi indirectes de la situation sanitaire. Et dernière question pour Monsieur le Ministre, est-ce que cette rallonge, elle est aussi pour couvrir la bronchiolite, parce que ce n'est pas mentionné dans l'exposé Merci, des motifs qui est le vôtre. La parole est à Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, on assiste à un certain nombre de conseils d'administration, de conseils de surveillance de nos établissements de santé et de nos maisons de retraite. Sur les établissements de santé, ce que vous avez imaginé à travers l'amendement et la rectification de l'ONDAM va dans le bon sens. Est-ce qu'elle sera suffisante ? Il faudra nous le préciser, parce que aujourd'hui, on annonce des chiffres en masse. Or, on voit bien les remontées du terrain sur l'augmentation des dépenses de personnel, notamment pour couvrir l'absentéisme dû aux crises sanitaires. Les baisses d'activité, parce que là, ce n'est pas des surcoûts, c'est des baisses d'activité, donc des baisses de rentrée, pour le coup, mériteront d'être compensées. Je ne sais pas si les 500 et les 600 millions annoncés seront suffisants pour combler. Sur la question des EHPAD, aujourd'hui, leur situation est très compliquée. Vous avez fait des annonces sur la partie énergétique. Très bien. Or, ils ont une hausse de leurs approvisionnements. Ils ont une hausse de leurs charges de personnel due à des mesures attendues, revalorisation du point, augmentation du SMIC. Pour autant, il faut pouvoir les compenser pleinement. Il y a le personnel qui est recruté pour remplacer ceux qui sont absents, notamment pour Covid. Et là aussi, il faut pouvoir les accompagner. Et puis, il y a des taux d'activité, des taux de remplissage, pardon de parler comme ça, de nos maisons de retraite, qui sont bien en deçà des taux attendus. Parce qu'on n'a pas fait de nouvelles admissions dans les maisons de retraite quand il y avait un secteur Covidé où on reportait les entrées. Et parfois, certains EHPAD ont des taux bien moindres, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu les rentrées qu'ils imaginaient. Et ce déficit est très important et menace leur projet d'investissement pour notamment assurer leur transition énergétique, pour améliorer les conditions de travail de tous les professionnels qui travaillent dans les zones de retraite et les conditions de vie des résidents. Monsieur le ministre, que prévoyez-vous de manière concrète ? Les annonces semblent insuffisantes. Les premières données des ARS qu'on reçoit dans les établissements ne permettent pas de couvrir même pas la moitié de ce qui serait nécessaire pour arriver Merci. À l'équilibre. Merci, monsieur Bazin. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune, nous commençons avec l'amendement 380, avec madame Bazin-Malgras. D'accord, on n'est pas là, très bien. Amendement numéro 373, monsieur Daréville. Merci madame la présidente. Cet amendement vise à donc abonder l'ONDAM 2022 des établissements de santé afin de mieux couvrir l'ensemble des dépenses supplémentaires liées à la lutte contre le Covid, à l'inflation ainsi qu'au rattrapage de soins mis en suspens durant la pandémie et en raison de l'article 40 de la Constitution. Je le précise puisqu'on avait surtout débattu de ça, d'ailleurs à mon grand regret, la fois précédente, alors que ça n'était pas le sujet que nous posions. Nous avions dû réduire le sous-ONDAM des soins de ville, ce qui n'était pas notre intention et l'objet de notre amendement. Et donc ça appelait évidemment à une levée de gages. Et donc c'était un amendement d'appel tel que nous le concevions pour subvenir aux besoins des établissements de santé. Le gouvernement a procédé à la correction de l'ONDAM des établissements de santé afin de couvrir 1,5 milliard d'euros liés au relèvement du point d'indice et 800 millions au titre de la compensation des effets de l'inflation. Les estimations des coûts liés à la seule inflation pour les établissements sanitaires et médico-sociaux se situent à un tout autre niveau. 1 milliard pour les établissements sanitaires, 5 millions pour les établissements pour personnes âgées et 100 millions encore pour les établissements pour les personnes handicapées. Donc nous suggérons de nous hisser au bon niveau. Merci Monsieur Daréville. Amendement numéro 1, Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si c'est, comme c'est l'amendement numéro 1, il aura un sort très positif, surtout si on étudie que la première partie. Je voudrais vous compléter ce que j'ai pu dire lors de la discussion générale, Monsieur le Ministre. Ce qui pourrait être intéressant, d'ailleurs, c'est que vous puissiez réagir
quand on vous pose des questions sur les différentes alertes, parce que c'est des alertes qui viennent du terrain, je sais que vous y êtes sensible, mais c'est important qu'on puisse apporter des réponses face à l'inquiétude qui remonte d'un certain nombre d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux face au coût de la vie, qui ne se résume pas à la question énergétique, qui ne se résume pas à la question des dépenses de personnel. Je vais prendre par exemple le prix de l'alimentation. Il a également augmenté, plus 5,7% sur les 12 derniers mois. La restauration, on le sait, participe au bien-être des résidents. Et on le voit bien que la rectification de l'ONDAM concernant ces établissements n'est pas à la hauteur des besoins. Et je vais même élargir, on a des financements qui dépendent de la section soins, donc de l'assurance maladie. Mais les établissements dépendent aussi des sections dépendance et hébergement, qui relèvent des conseils départementaux. Est-ce que dans le budget général, on a prévu des enveloppes pour accompagner les conseils départementaux afin de les aider à accompagner les établissements médico-sociaux ? Non. Or là, il y a une vraie inquiétude, parce qu'on sait bien que sur certains postes, ça ne dépend pas de la branche de la section soins, mais ça dépend de la section dépendance. Et là, ils n'ont pas de réponse. Et il y a une forte inquiétude. Il y a même des réponses de certaines ARS ou de certains départements qui disent prenez, on va vous donner une enveloppe exceptionnelle sur telle section et vous allez en transférer une partie sur telle section. C'est du bricolage. Ce qu'ils ont besoin, c'est de réponses solides, de manière à pouvoir les rassurer avant la fin de l'année, de manière à ce qu'ils ne piochent pas trop dans leur trésorerie, ce qui pourrait les mettre en danger. Certains établissements aujourd'hui payent à 4 mois les factures des entreprises, et c'est tout l'écosystème autour de nos maisons de retraite qui est fragilisé. Je pense qu'il faut encore rectifier le tir. Qui peut le plus, peut le moins. Merci, Monsieur Bazin. Amendement numéro 84, Madame Ménard. Merci, Madame la Présidente. Qui peut le plus peut le moins, Monsieur Bazin vient de le dire. C'est vrai que les fédérations hospitalières nous ont beaucoup alertés en préparant ce PLFSS et évalué les effets de l'inflation à plus de 1,1 milliard pour l'ensemble des établissements de santé. Alors, vous venez de nous annoncer des bonnes nouvelles, relèvement de l'ONDAM hospitalier, mais c'est vrai que le risque d'une dégradation de la situation financière des EHPAD conduit à demander une pleine compensation de cette inflation et qui correspondrait au surcoût constaté par les établissements. Il est donc urgent de prévoir un ONDAM rectificatif qui permettra d'assurer la prise en compte de l'inflation, et il faut l'augmenter au juste niveau. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ménard. Sur le vote de l'amendement 194, je suis saisie par le groupe socialiste apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sur le vote de l'article 4, je suis saisie par le groupe gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement numéro 311, Madame Fiat, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Par cet amendement, nous proposons d'augmenter les rallonges accordées en 2022 aux hôpitaux, aux EHPAD, aux établissements pour personnes handicapées, pour effectivement compenser l'inflation et, on l'espère, les hausses de salaire. Malgré un abondement supplémentaire décidé au Sénat, les comptes ne sont toujours pas bons pour l'hôpital et le médico-social. Il financera les mesures insuffisantes annoncées par le gouvernement pour limiter la casse de l'épidémie de bronchiolite. Alors, en absence de compensation totale des hausses de coûts, les établissements sont obligés de faire des économies en plein cœur d'une crise inédite de notre système de santé. Vous avez tous reçu énormément de courriers de la part des directeurs des établissements qui nous alertent. Alors, Monsieur le ministre, juste en précision, la diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40, mais évidemment, on compte sur vous pour lever le gage et adopter cet amendement qui permettra aux établissements sociaux et médico-sociaux de respirer un petit peu. Merci, Madame Fiat. Amendement numéro 193, Monsieur Guedj. Oui, Madame la Présidente, cet amendement 193 est sur la table de nos discussions depuis le premier examen en commission des affaires sociales. Il avait, lui, l'ambition d'augmenter de 500 millions d'euros la dotation pour l'ONDAM à destination des établissements de santé. Il vise précisément, et nous avons manifestement désormais une convergence, et nous ne pouvons que nous en féliciter, à permettre de couvrir les coûts liés à l'inflation, ceux liés au Covid, et plus généralement à permettre, et c'est ça qui m'intéresse et j'attends toujours la réponse à ma question pour après, à augmenter, à incrémenter la base de l'ONDAM 2022 pour que derrière
l'ONDAM 2023 et le taux que vous aviez envisagé, même si on le trouve insuffisant, s'applique sur cette base revalorisée. Et pour l'instant, en l'état actuel, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous propose très sincèrement de voter cet amendement qui a le mérite de l'antériorité par rapport à l'amendement gouvernemental, qui lui aussi a un mécanisme pour lequel j'espère que vous lèverez le gage, puisque dans votre propre amendement, nous y reviendrons dans un instant, Monsieur le Ministre, je le redis, vous le financez uniquement à hauteur d'une baisse de 100 millions sur les soins de ville. Ça veut dire que, par ailleurs, vous laissez filer le déficit de l'assurance maladie, ce qui est un choix que nous partageons au regard des priorités qui sont mises en œuvre. Voilà, donc, à l'honneur du travail que nous avons fait collectivement, je vous propose de voter en première intention cet amendement historiquement déposé avec antériorité. Merci. Merci, M. Guetch. Pour l'amendement 194, vous... Merci. Alors celui-ci, par contre, il n'est pas dans le périmètre de l'amendement que vous avez proposé, Monsieur le Ministre, et je le regrette. C'est celui qui permet, dans le même temps, dans le prolongement de ce que nous a dit à l'instant Thibault Bazin sur les situations difficiles que vivent un nombre important d'EHPAD, et ce, quelle que soit leur nature juridique, là aussi, de doter d'une enveloppe comparable de 500 millions d'euros, les EHPAD, de la même manière que le précédent amendement avait été travaillé lui aussi avec les représentants de la Fédération hospitalière de France. Celui-ci s'appuie sur la réalité des remontées de terrain pour couvrir les coûts liés à l'inflation et de manière générale pour permettre à ces EHPAD d'avoir un desserrement de l'étau qui s'exerce sur ces établissements. Et donc, si on veut être cohérent, vous avez reconnu le besoin pour l'hôpital, il faut aussi le reconnaître pour les EHPAD, là où, je le redis, l'ONDAM à destination des EHPAD, même s'il progresse en 2023, j'entendais les interventions tout à l'heure, je rappelle 750 millions d'euros supplémentaires dans l'ONDAM médico-social à destination des EHPAD. C'est peut-être bien, mais je rappelle que la Cour des comptes nous invite à augmenter entre 1,2 milliard et 1,6 milliard par an l'ONDAM, l'OGD à destination des structures pour les personnes âgées. Et donc ces 500 millions d'euros supplémentaires dans la base 2022, prolongée dans la base 2023, permettrait de satisfaire cette demande assez rare de la Cour des comptes qui nous demande d'augmenter la dépense publique pour améliorer les conditions de prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD. Merci, Monsieur Guetch. Sur le vote de la deuxième partie du projet de loi, je suis saisie par le groupe Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement numéro 168, Monsieur Topiak. Oui, merci Madame la Présidente. Donc je tiens à revenir une fois de plus sur, via cet amendement, sur les oubliés du Ségur et alerter le gouvernement sur le sujet des oubliés de l'accord de la Fourcade. Donc malgré les vagues de revalorisation salariale successives, certains professionnels restent encore exclus de la hausse salariale de 183 € net mensuels. Il s'agit en particulier des personnels administratifs, des personnels techniques, des assistants familiaux, des directeurs d'établissement, des services médico-sociaux et sociaux. Donc d'abord limité aux personnels médicaux des établissements de santé et des EHPAD, les revalorisations se sont ensuite étendues aux personnels soignants du secteur social et médico-social non lucratif, puis aux professionnels de la filière socio-éducative, à savoir les travailleurs sociaux. Mais les retards pris ont créé des distorsions entre les établissements, avec des départs qui auraient pu être évités. Et l'existence, 2 ans après le début de la crise, de nombreux oubliés du Ségur crée aussi des tensions au sein des établissements. Il n'est pas acceptable qu'encore un tiers des personnels des établissements et services du secteur médico-social et social soient exclus de cette reconnaissance salariale. Alors évidemment, cet amendement ne vise pas à diminuer les dépenses des soins de ville. C'est un artifice, vous le savez, pour une recevabilité financière de l'amendement. Merci, M. Topiak. Amendement numéro 844, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Cet amendement vise donc à augmenter de 540 millions d'euros le sous-objectif établissement de santé de l'ONDAM et de 0,5 milliard d'euros l'ONDAM 2022 dans son ensemble. Ces ressources supplémentaires permettront de compenser les surcoûts que les établissements de santé ont à nouveau connus cette année dans le cadre de la prise en charge de patients au titre du Covid.
Le sous-objectif établissement de santé est ainsi porté à 98,2 milliards d'euros en 2022 et l'ONDAM total pour 2022 atteint 247 milliards d'euros. L'ONDAM 2022 rectifié que nous vous proposons est donc de 10,1 milliards d'euros plus élevé que celui voté en décembre 21 lors de la LFSS pour cette année. Le sous-objectif soins de ville est lui légèrement abaissé de 0,1 milliard d'euros pour tenir compte des dernières données qui font état de dépenses de tests de dépistage du Covid et de vaccination légèrement inférieures aux prévisions. Cette nouvelle hausse vient donc compléter les 0,6 milliards d'euros que nous avions déjà ajoutés en soutien des établissements de santé au travers d'un amendement adopté lors de la première lecture au Sénat, 0,6 milliards d'euros dans le cadre de la gestion des crises actuelles et de la prolongation de certaines mesures de l'été. Au total, ce sont donc plus de 1 milliard d'euros supplémentaires que nous proposons d'intégrer à l'ONDAM 2022 en soutien des établissements de santé par rapport au montant qui figurait dans le texte initial au regard de la situation connue à l'époque. Je rappelle enfin que ce soutien supplémentaire important s'ajoute au financement de la hausse du point d'indice et de mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat des salariés des établissements, ainsi qu'à la compensation de l'impact de l'inflation sur les charges des établissements que nous avions intégrées dans la rectification de l'ONDAM 22 que nous vous avions proposé dès le texte initial. Vous l'aviez néanmoins rejeté en rejetant la partie 2 du PLFSS en première lecture. J'en appelle cette fois à la responsabilité pour soutenir, par le vote de l'ONDAM 2022 ainsi augmenté, tous les personnels des établissements de santé. Merci, Monsieur le Ministre. Amendement numéro 2, Monsieur Bazin. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues, voilà le dernier amendement proposé à votre discussion, mais qui tomberait si celui du gouvernement était adopté. Se pose la question de comment on finance la rectification de l'ONDAM hospitalier. Il y a quelques semaines, en première lecture, on nous avait dit « Vous êtes démagogique, vous allez déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Ce que j'observe, c'est que vous prenez en partie sur les soins de ville, et ça, on ne peut pas y souscrire. Le mal-être touche aussi la ville, et je crois que c'est quand même un élément important. Je vais revenir sur la question des taux directeurs. On voit bien que l'inflation est à plus de 5%. Or, les taux directeurs dans nos EHPAD, pour certains, sont à 0,46, 0,47%. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact, sachant qu'on a des personnels qui sont à la fois sur des sections dépendance et sur des sections soins. Et je pense qu'il faut que vous puissiez nous apporter aussi des réponses sur ce volet-là pour ces établissements, parce que le raisonnement que vous prenez pour le secteur hospitalier est aussi valable pour le secteur médico-social. Puis se posera la question de la répartition de ces crédits que vous nous proposez. Est-ce que cette répartition sera équitable territorialement? Je le souhaite, de manière à ce que nos hôpitaux de proximité ne soient pas oubliés. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des situations diverses, mais pour autant, on a un vrai flou, une vraie opacité sur comment l'ARS répartit ces crédits d'accompagnement. Enfin, je crois que l'ONDAM tel que vous rectifiez va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Alors tout de suite, vous dites, mais ce serait irresponsable de dégager. Moi, j'en appelle et je trouve dommage qu'on n'ait pas eu une concertation initiale pour faire un vrai PLFSS 2022 de crise, comme on l'a fait sur le PLFR, où on a su se retrouver quasiment de manière consensuelle pour apporter les moyens face à cette crise. Pourquoi on ne prend pas la même méthode sur un PLFSS rectificatif pour 2022 de crise? J'en appelle vraiment à une solution Merci, plus concertée. Monsieur Bazin. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Ça sera un avis défavorable sur l'ensemble des amendements, sauf le 844 du gouvernement. Et je maintiens... on peut dire, Monsieur Bazin, il me semble que 10 milliards d'euros en plus par rapport à ce qui était prévu et par rapport à l'exécution est bien un PLFSS de crise. C'est 10 milliards d'euros en plus de la prévision, avec le 1 milliard entre les 550 millions au Sénat et 500 millions dans l'amendement 844. Donc on est à une augmentation de 10 milliards d'euros sur un PLFSS, donc sur une prévision. On est bien dans un PLFSS de crise. Et il me semblerait effectivement irresponsable que cet amendement et cet article ne soient pas votés. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre.
Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je vais, si vous le permettez, faire une réponse un petit peu globale sur l'ensemble des amendements. Alors, concernant le renforcement de la compensation de l'inflation, nous avions déjà eu l'occasion d'en parler lors de la première lecture, je tiens à rappeler que le gouvernement a pris en compte les besoins des établissements dès le texte initial, en y intégrant déjà une rectification de l'ONDAM 22 qui visait justement à tenir compte du contexte de l'inflation. Elle comprenait déjà 0,8 milliard d'euros de financement à ce titre, à destination des établissements de santé et médico-sociaux. Ce complément de financement s'appuie sur une étude détaillée dont les résultats ont d'ailleurs été partagés avec l'ensemble des fédérations hospitalières. Je rappelle aussi que cette rectification de l'ONDAM comprenait 1,5 milliard d'euros supplémentaires destinés à permettre le financement de la hausse du point d'indice et des mesures salariales dans les établissements publics et privés. Ces mesures salariales découlaient également du contexte de l'inflation. J'en profite également pour rappeler que le gouvernement a fait voter un amendement au Sénat d'une hausse de 0,6 milliard d'euros fléchée vers ces mêmes établissements de santé dans le contexte de crise qui est actuellement le leur. Par ailleurs, en financement, l'augmentation des sous-objectifs établissements de santé personnes âgées et personnes handicapées par une baisse de 900 millions d'euros du sous-objectif soins de ville, vous rendez l'ONDAM 2022 insincère. Le Ségur a représenté un effort exceptionnel en faveur des professionnels du champ sanitaire et médico-social en réponse à la crise sanitaire. Les mesures du Ségur, au-delà des revalorisations salariales, représentaient près de 12 milliards d'euros en 2022. En février dernier, la conférence des métiers sociaux a permis de nouvelles avancées avec l'annonce par le Premier ministre Jean Castex d'1,3 milliard d'euros supplémentaires permettant d'étendre la prime Ségur à la filière socio-éducative. Aucune autre majorité, vous le savez, n'avait fait autant pour la revalorisation des métiers du soin et de l'accompagnement. Cette dynamique de revalorisation a pu soulever des incompréhensions et conduire au sentiment pour certains professionnels d'être des oubliés du Ségur. Il y a eu en effet une logique assumée de revalorisation exceptionnelle ciblée sur les métiers du soin et de l'accompagnement humain qui répondait à la volonté de revaloriser spécifiquement ces filières. Néanmoins, il ne faut pas réduire les négociations sur les revalorisations et les métiers en cours et à venir au seul Ségur. Comme pour le champ sanitaire, les ONDAM 22 et 23 prévoient des enveloppes financières pour la revalorisation des rémunérations des professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux, et cette fois-ci de manière globale et sans distinction de filière. Le gouvernement a en effet fait le choix de transposer la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au secteur privé. Les négociations sont en cours et les employeurs pourront privilégier les filières administratives et techniques avec ces enveloppes, puisqu'un effort conséquent a déjà été réalisé pour les métiers du soin et de l'accompagnement. Enfin, la négociation sur la modernisation du cadre conventionnel de la branche sanitaire et sociale, à laquelle nous nous sommes collectivement engagés avec les départements et les partenaires sociaux lors de la conférence des métiers de février 2022, doit se poursuivre. Celle-ci a pour finalité de converger vers une convention collective unique et modernisée pour le secteur. L'État a annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour accompagner les discussions et faciliter les convergences entre les conventions existantes, avec un effort particulier qui pourra être fait à l'égard des filières administratives et techniques exclues du Ségur. Pour l'ensemble de ces raisons, je suis défavorable aux amendements qui ont été présentés, en dehors, bien entendu, celui du gouvernement. Pour revenir sur le gouvernement qui dépose un amendement pour majorer de 470 millions d'euros l'ONDAM 2022. Il s'agit effectivement d'un amendement de crise fait pour compenser les surcoûts que les établissements de santé ont dans le cadre de la prise en charge des patients au titre du Covid. Ces coûts ont été finalisés tout récemment, c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. Ils ont été finalisés en fonction des coûts réels définis par les établissements, que cela concerne les effectifs et que cela concerne également les coûts annexes en termes de journées de réanimation, en termes de biologie par exemple. Et cette répartition, cette finalisation est équitable puisque c'était une inquiétude de M. Bazin. Cette nouvelle hausse, je l'ai dit, vient compléter les 0,6 milliards déjà ajoutés au niveau du Sénat. Pour compléter donc les financements au titre de cette crise Covid, l'ONDAM Hôpital sera majoré de 543 millions d'euros. La question se pose sur les 70 millions d'euros, 0,1 milliard, qui sont repris au niveau des soins de ville. Il s'agit en fait d'un redéploiement.
Le budget qui était prévu pour les soins de ville au titre des vaccinations et des tests n'est pas atteint au terme de l'échéance de cette année. Et donc, c'est simplement un redéploiement technique entre l'ONDAM de ville et l'ONDAM hospitalier. La médecine de ville n'est privée d'aucun financement. L'ONDAM hors crise progresse de façon dynamique entre 21 et 22 pour la ville à hauteur de 4,2%. L'ONDAM global hors crise progresse donc de 5,6%. Les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire en 2022 sont désormais prévues à hauteur de 12 milliards d'euros. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Sur ces amendements qui sont soumis à une discussion commune, j'ai plusieurs demandes de parole. Donc, monsieur Balanant. Oui, c'était pour rapidement dire à monsieur Guedj, il nous a donné un argument qui me rendait sensible en disant qu'il y avait une antériorité et que l'amendement était le même. Bon, j'ai regardé. L'amendement n'est pas tout à fait le même. Vous rajoutez 300 millions, on rajoute 500 millions. Donc, votez pour le nôtre, évidemment. On l'aurait fait avec plaisir s'il avait été effectivement identique. Merci, monsieur Balanant. Monsieur Neuder. Merci, madame la présidente. On a l'impression quand même d'être dans un jeu de dupes quand même, madame le rapporteur général. On a bien entendu quand même la rallonge des 10 milliards, mais il y a plus d'un mois ici, quasiment à la même place, on dénonçait l'insincérité du budget dans sa globalité, dénonçant quand même qu'il avait été pas complètement co-construit par les acteurs médicaux, des filières médico-sociales du handicap, et surtout correspondait à une logique budgétaire de Bercy. Alors effectivement, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, donc on peut avoir la satisfaction de voir 10 milliards supplémentaires, mais moi je trouve que surtout c'est la belle démonstration que finalement ce que nous vous disions il y a un mois, finalement vous êtes en train de vous en rendre compte et de compenser partiellement. Cependant, je trouve aussi quand même fortement préjudiciable, c'est que quand nous avons tenu ces propos, Monsieur Attal nous expliquait que nous tirions sur la médecine de ville quand nous essayons de remonter l'hôpital et les établissements médico-sociaux. Et globalement, on arrive quand même avec un goût amer de se retrouver dans la même situation d'un PLFSS qui s'améliore, mais qui reste quand même en deçà de ses objectifs, qui reste insincère et pour lequel vous n'avez trouvé que d'autres parades que de faire battre les branches entre elles. Et quand maintenant, ce n'est pas entre les branches entre elles, c'est entre la médecine de ville et la médecine hospitalière ou des établissements médico-sociaux. Merci, monsieur Neuder. Madame Fiat. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec attention et je vais recommencer. Non, ce ne sont pas des oubliés du Ségur. Votre prédécesseur, Olivier Véran, a reçu tout le monde. Il les a exclus du Ségur. Et les mots ont leur importance. Ce ne sont pas des oubliés, ce sont des exclus. Est-ce que vous savez, mais je me doute que vous avez eu une note là-dessus, que les infirmières, malgré le Ségur, malgré l'augmentation de 50 euros inflation, restent les moins bien payées de l'OCDE? Est-ce que vous vous rendez compte que les démissions continuent, qu'il n'y a plus l'envie de travailler, parce qu'il n'y a pas les trois moyens qu'on n'arrête pas de vous réclamer, moyens financiers, valorisation, augmentation de salaire, moyens humains, des ratios pour dire au personnel, vous allez venir travailler, vous allez travailler dans la dignité, et des moyens techniques, ras-le-bol d'entendre, vous utilisez trop de protection, vous utilisez trop de compresses, vous utilisez trop ceci. Non, on prend soin et prendre soin, on n'a pas à faire des économies sur le matériel. Sans ces trois moyens, on n'y arrivera pas. Et donc là, ce que vous proposez en plus ne sera pas suffisant, il sera insincère. Et comme l'ont dit les collègues, il y a un mois, quand on vous expliquait qu'on votait contre parce que c'était insincère, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On était mais irresponsables. Et preuve en est, nous avions raison, parce qu'aujourd'hui, vous mettez une rallonge qui sera insuffisante et qui prend sur les soins de ville, parce que, monsieur le ministre, vous nous dites qu'il y aura moins de coûts en tests et en vaccination. C'est vous qui le dites. Vous avez fait l'annonce inverse tout à l'heure en appelant les gens à aller se faire vacciner. Merci, madame Fiat. Madame Beretté. Madame la présidente, mes chers collègues,
S'agissant donc de l'augmentation de l'ONDAM 2022 que souhaite présenter le gouvernement, le 842, j'aimerais rappeler ici que l'idée, c'est véritablement de mettre à disposition 1 milliard d'euros supplémentaires, et ce, dès 2022. Donc, on nous le dit, nous avons tous visité des hôpitaux, ils ont besoin d'argent. Donc, cette majoration va permettre finalement de payer des heures supplémentaires pour les personnels soignants dès 2022, de traiter la revalorisation de leur travail de nuit, qui est important, nous le savons, de financer les tests Covid qui sont réalisés dans les hôpitaux, et de traiter le financement donc pour la bonne prise en charge des patients également atteints du Covid. Je rappelle aussi que ce milliard d'euros s'ajoute au financement de l'augmentation du point d'indice qui était bien prévu dans le texte initial, ainsi qu'à la couverture des coûts de l'inflation pour 800 millions d'euros. Au total, donc, c'est 10 milliards d'euros supplémentaires que présente ce plan par rapport à celui qui a été voté pour 2022. Je pense que le temps de la discussion, c'est bien, mais qu'il faut également agir, et que là, nous avons des moyens supplémentaires qui sont mis à la disposition et qu'il ne faut éviter de faire la fine bouche dessus. Merci Madame Bérété. Monsieur Daréville. Bravo. Merci Madame la Présidente. Notre collègue Bérété vient nous dire que le temps de la discussion c'est bien. J'espère qu'on pourra le vérifier jusqu'au bout. Cela étant dit, sur ce débat qui nous anime et sur lequel nous avions en première lecture essayé de vous faire entendre raison, vous avez consenti à quelques bougies, à faire une rallonge. D'ailleurs, au passage, je veux signaler que ça en dit long aussi sur les insuffisances qui étaient inscrites dans le budget initial, puisque vous êtes obligé d'y revenir et de corriger. Bon. Et ce n'est pas faute de l'avoir dit, là, encore une fois, à l'époque. Et je pense que si, à ce moment-là, vous aviez envoyé un autre signal aux hôpitaux, peut-être que ça n'aurait pas été de trop. Bon. Il se trouve que nous pensons qu'il faut véritablement envoyer un signal fort. Nous avons fait des propositions à travers un amendement en ce sens pour cela, et j'espère que nous retiendrons l'amendement qui sera le mieux disant dans la liste qui a été indiquée et qui intègre l'ensemble des établissements, effectivement, comme le dit Jérôme Guedj à juste raison. Je voudrais faire juste une dernière remarque, vous dire, monsieur le ministre, que lorsque diminuez les fonds pour le sous-ONDAM des soins de ville, c'est un ajustement technique. Lorsque nous le faisons, c'est un scandale. Donc, il y a un moment donné, il faudra s'entendre un petit peu sur la manière dont on peut, disons, nourrir un véritable débat entre nous dans cette enceinte. Merci, monsieur Daréville. Donc, maintenant, nous allons passer à la mise aux voix des amendements. Je rappelle la position défavorable de la Commission et du gouvernement sur l'ensemble des amendements, sauf pour l'amendement 844, qui, lui, a eu un avis favorable. Amendement numéro 373, qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Amendement numéro 1, qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Amendement numéro 84, qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Amendement numéro 311, qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Amendement numéro 193, qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Nous allons maintenant procéder au scrutin pour l'amendement 194. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 130, exprimés 124, majorité 63, pour 55, contre 69, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Amendement numéro 168, qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Amendement numéro 844, qui est pour ? Qui est contre ?
Adopté. Amendement. Alors, amendement 2 tombe. Très bien. Donc là. Donc maintenant, nous allons procéder au scrutin pour l'article 4. Je vais mettre aux voix l'article 4. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 126, exprimés 122, majorité 62, pour 101, contre 21. L'Assemblée nationale a adopté. Amendement numéro 415. Merci Madame la Présidente. Cet article est important parce que c'est un article qui avait été adopté par le Sénat qui prévoit une base légale pour la prolongation de la garantie de financement pour les établissements, les hôpitaux en 2022. On a adopté cet amendement en commission pour le déplacer en deuxième partie parce qu'il concernait l'année 2022. Mais comme le gouvernement a déposé un amendement pour prolonger aussi cette base légale de garantie de financement pour 2023, je propose de retirer cet amendement puisqu'il n'a plus lieu d'être pour l'année 2022. J'espère que ça a été clair. Merci. Donc je voudrais retirer l'amendement 415, Madame la Présidente. D'accord. Merci. Il est retiré. Donc maintenant, on passe à celui-là. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre aux voix l'ensemble de la seconde partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. C'est un scrutin public, hein, je rappelle. Non, mais c'est un scrutin public pourtant. Bon, le scrutin est clos. Ah oui, mais je pour rien que ça soit marqué. Hein. Votants 115, exprimés 112, majorité 57, pour 91, contre 21. L'Assemblée nationale a adopté. Oui. À la demande de Monsieur le ministre, nous faisons une suspension de séance pour 5 minutes.
Bonsoir à tous. La parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale, Madame et Messieurs les Rapporteurs, Mesdames et Messieurs les Députés, je crois au débat quand il est mené de bonne foi et quand il vise à trouver des solutions communes. En première comme en nouvelle lecture, la Commission des Affaires Sociales a examiné le texte et les amendements loyalement. Les débats ont eu lieu et le projet de loi a été adopté dans son intégralité. Cependant, alors que la nouvelle lecture devait commencer en séance, près de 700 amendements ont été déposés, en plus de ceux adoptés en commission. Nous ne pouvons pas perpétuellement rejouer des débats qui ont été tranchés. Nous le pouvons d'autant moins que cela menacerait le calendrier prévu pour l'examen du texte et les délais constitutionnels que nous devons respecter. Or, nous avons besoin de cette troisième partie du projet de loi pour financer notre modèle social, pour offrir des moyens à notre système de soins, pour venir en aide aux plus précaires, pour donner corps à notre politique d'autonomie. Aussi, mesdames et messieurs les députés, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Le texte que je vous soumets rétablit largement le projet de loi tel qu'il a été adopté à l'issue de la première lecture. Il ne contient que des modifications limitées, comme c'est généralement le cas en nouvelle lecture. Vous noterez, Madame la Présidente Panot, que rien ne porte sur la réforme des retraites dans ce texte. Vous et votre groupe aviez tenté il y a une semaine de faire croire que celle-ci passerait subrepticement par un amendement, mais les Français ne croient plus vos mensonges. Sur la réforme des retraites, les échanges se poursuivent avec les partenaires sociaux, tous les partenaires sociaux. Des propositions sont sur la table. Nous voulons une réforme juste, une réforme équilibrée, une réforme concertée. Les discussions avancent. Je ne prétends pas qu'elles aboutiront à un accord sur tous les points, mais j'affirme qu'elles nous font progresser. Mesdames et messieurs les députés, comme chaque fois que le gouvernement engage sa responsabilité, nous faisons évoluer le projet de loi pour l'améliorer. Aussi, nous y intégrons des apports de vos collègues sénateurs. Je pense notamment à un amendement pour inciter les employeurs à se saisir du dispositif de rachat de RTT. Ça n'était pas un amendement de la majorité. Nous le conservons car cela soutiendra le pouvoir d'achat des salariés. Mesdames et messieurs les députés, vous connaissez ma conviction. Le dialogue nous fait progresser au Sénat comme dans votre Assemblée. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Donc l'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera annexé au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain, 19h24, est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. Prochaine séance demain à 9h, question orale sans débat, la séance est levée.